Donc du coup, à gauche là, le tournoi, c'est... Oh, la paire de 4. C'est combien les blindes? C'est 50-100. Paire de 4 en 8 max. Non, je suis under the gun, on va pas comment, on va y aller tranquille. Ah, par contre, 10 dames, on va commencer à jouer. Donc à côté, il y a un free roll. Il y a un free roll qui justement tourne jusqu'à donc 21h30. Le mot de passe, c'est donc popcorn. Je suis désolé hein, parce que j'étais un peu en retard, donc j'ai relancé en speed. Donc il va falloir que je me mette bien. Et on a récupéré des petites blindes. Donc du coup, ici c'est un tournoi. Ici c'est un tournoi quand même du coup à 100 balles l'entrée et l'autre c'est 50 balles. Donc c'est quand même deux tournois et je suis déjà sur paire de rois. Bah on va continuer à agresser tranquillement. Je vais vous mettre un petit overlay si vous voulez, histoire que vous puissiez voir direct, parce que sinon les gens vont nous demander. Et ça va être un peu chiant, je pense. Ça a suivi deux blindes ici. Il y a un mec qui a déjà éliminé quelqu'un. Donc comme vous voyez, en fait, là, chacun a une prime de 22,50€. Sur l'autre table, c'est 11 euros. Là, j'ai 11,25€ de prime, par exemple. 9 blindes. Frère, j'envoie tapis. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Il y a qui à la table, en fait, qui veut me tester, en fait? Tournoi à 100 balles, pas tournoi à 100 balles. Qui veut me tester à la table? Je sors de deux heures difficiles sur Emily is away, moi. Donc, du coup, quand t'élimines quelqu'un, en fait, tu récupères une partie de justement sa prime. Donc, tu vois, par exemple, si j'élimine lui, vous gagnez 22,50€ et votre prime augmentera. Et donc, du coup, il y a quand même tout un intérêt. J'ai roi 3, je touche le roi ici. Donc, à gauche, ça peut être un bon tournoi. Hein. Déjà, c'est pas mal de... Il y a un petit 7. Écoute, je vais mettre deux blindes, tranquille. Est-ce qu'il va me suivre? Un petit 200. Pour l'instant, c'est tranquille. Hein. Pour l'instant, en gros, là, à 6, c'est un tournoi où on va jouer un peu plus. Putain, je suis désolé, parce qu'à chaque fois, le poker, c'est vrai que je lance et il se passe plein de choses autour. J'aurais peut-être pas dû miser, là. Alors, au moins, ça commence bien. On a eu un peu de jeu. Tony, merci beaucoup. En gros, là, on n'est que 5 à table. Pour l'instant, il y a 72 personnes dans le tournoi. Et ma place, moi, est 18e. Je vais me décaler un tout petit peu pour que vous puissiez voir. Je vais vous le mettre légèrement sur la gauche. Comme ça, vous pouvez voir toutes les infos en question. Et là, je vais me coucher. Valet-Dame de trèfle. Attendez, je vous fais tout ça. Je vous fais tout ça, les potes. Excusez-moi, parce que c'est vrai que c'est souvent un peu speed. PC game, la cam. Je vais juste, en fait, donner un peu d'air. Et vous mettre de ce côté-là. Ça va être plus sympa comme ça, je pense. Ah, c'est pas le bon. Attends, je vais compter en blindes. 98 blindes. Bon, bah, valet dame suité, on va suivre. Ouais, je touche le valet, je vais check. C'est à lui de faire le jeu. Donc, je vais jouer deux tournois à la fois. Donc, ça va aller un peu vite. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. Ouais, ok, le valet. Ça me met pas bien, ça. Après un 10 et je peux avoir une suite. Le roi me met pas bien, mais il a engagé avant. Après, il peut très bien être sur As-Valet, une connerie comme ça. 7 blindes, c'est difficile de se coucher quand même, surtout qu'on est au début. Oh la dame. Ah, le 10 et c'est la suite. Ah, le 10 met trop mal là. Là, je suis en double paire ici, parce que j'ai Valet-Dame. Le souci, c'est que lui, s'il a un 10, il a une suite. Je vais tempo un peu, je vais checker. À gauche, As-3 de pique. Là, en fait, le truc, c'est que comme à droite, il y a 8 joueurs, c'est beaucoup plus dur de jouer souvent. Là où, à gauche, il n'y a que 5 joueurs à table. Donc, en fait, dès que tu as un As, t'es beaucoup plus fort, quoi. Je touche l'As, je touche le 3, je vais juste check. Il me met 24 blindes. Putain, il me met 24 blindes, le bâtard. Il me met 24 blindes. Il me met quasiment tapis. C'est difficile de s'imaginer qu'il n'a pas un 10. Hein. Et en même temps, j'ai double paire. C'est-à-dire que même s'il avait paire d'As servi, il n'allait pas avoir un... Ah, putain, c'est chiant, le tirage... J'aurais dû relancer, là. Je le suis. C'est bête. Il a un 10. Il a un carré de 9. Wow! What? Il avait une paire de 9 et au flop, il a touché les deux autres 9. Il a eu un carré de 9 au flop. Wow. Bon, là, j'ai double paire. Et il y a tirage couleur qui est un peu dangereux, quand même. Après, j'ai double paire. Oh la vache. Oh la dingue. On a eu paire de roi d'un côté, ça commence fort ici. Hein. Ainsi, ça me fait plaisir. Il y aurait eu un seul carreau, ça m'aurait fait chier. Je suis assez chaud de check. Le truc, c'est que lui, il va envoyer là. Lui, il va envoyer 20 blindes à nouveau. Ah, il check juste. Ok, ça me va. Pas envie de prendre de risques.
Il chope la suite avec le 6. 7-4. J'avais même pas anticipé. Bon, j'ai perdu un peu. Après, on a pas mal joué. Ok, là, on est bien. Je vais vous mettre une petite... tu peux descendre la cam, please. Je peux pas descendre la cam. En gros, ça vous fait chier de pas voir ici? Ouais, je comprends que c'est tout juste. Hein. C'est vrai que Romain aurait dû me baisser un peu la cam. Ouais, on aurait dû baisser un peu. Sur le tournoi, j'ai rien, c'est abusé, j'arrive pas à jouer. Bah, les free rolls, généralement, je vous conseille de mettre des boîtes, quoi. C'est-à-dire que tu dois mettre tapis quasiment à chaque fois, quoi. Dragbar, 59 points, merci beaucoup, Alphonse Dalle aussi. Bon, on a pris un coup de clim ici. J'ai plus que 63 blindes. Ici, on a perdu un peu, mais bon, on est à peu près à l'équivalent. Je vais nous mettre un petit... Je vais nous mettre justement des petits textes, là. Le truc, c'est qu'il faut que j'ai la bonne police. Je sens que je vais vous faire un truc dégueu, là. Mais au moins... 10 dames. C'est pas mal, c'est pas insane non plus. Attends, je vais checker ça. Ouais, 10 dames, j'ai qu'une blinde à rajouter. On va aller voir, hein. Paire de valets, c'est un mec qui a déjà éliminé quelqu'un. On va prendre un peu de temps et on va check. Kazuto, merci pour le prime. Est-ce que j'ai envie de me mettre là-dedans? Il faut beaucoup de choses pour que je puisse être dangereux. Je vais me coucher. On a beau avec prime, veut pas se remettre. Aïe, aïe, aïe. As-3 de carreau de l'autre côté. Valet 9 ici. Je suis pas sur le free roll, non. Même un roi te bat, carte de paire, 9, 9 et roi. Ah oui, même un roi me battait, putain, tout à l'heure. Putain, avec les 3 minutes de délai. C'est vrai que c'était très con. Parce que même un roi juste me battait comme j'avais double paire. Donc au final, j'aurais dû coucher, mais 100 fois. Bon, après, on a vu un carré, du coup. Ici, je vais relancer, mais... J'aurais dû me coucher, ouais. On a vu une dingue, quoi. Christophe, merci pour le prime. Alors, attends. Parce qu'en fait, je suis en train de vous gérer un titre à côté. Après, là, il faut que je joue assez peu de mains. Là, on a commencé à jouer beaucoup. C'est pour ça que je joue deux tables à la fois. Faut que je me monte agressif. Hein. J'ai un as. Il a peut-être pas touché. Je vais me montrer agressif. J'envoie... Ah putain, il suit. Je touche l'as. C'est pas mal. Il a suivi. Enfin, le truc, c'est qu'on est que 5 ici, donc paire de valets. Putain, je touche à gauche. Hein. J'envoie 2 blindes. J'ai envoyé 4 blindes à gauche. À droite, pardon. Putain, la paire de valets, juste x2, ça a suffi pour récupérer. Les blindes. Là, le truc, c'est qu'on est en début de tournoi, donc les blindes, c'est de la merde. Est-ce qu'il va me suivre ou pas sur ça? J'ai fait quoi? J'ai relancé, il m'a suivi. Ok, on se prend 10 blindes. Ok, je suis à moins 4000 là sur le début. Ah, c'était vraiment con de suivre tout à l'heure. J'ai été bête, c'est ma petite erreur. On va chill pour pas faire n'importe quoi. Alors, si c'est mauvais, s'il a un as, tu perds ta double paire. Hop. 6-4, non, on va passer tranquille. Merci pour cet après-midi. La main que t'as loupée à droite. Ah ouais, j'ai loupé un bail. Bon, il y a Neil qui vous met tout dans le chat, hein, de toute façon. Si jamais. Il m'a dit que c'était quoi la police que je devais mettre? Ibo, parfait. À suite de pique. Là, c'est en train de se la mettre, là. 31 blindes. Ok, là, je vais me coucher. À suite, je vais défendre ma blinde, hein. Normal.
On va voir ce que lui fait. Lui, il commence à être... Lui, il est très agressif. Hein. Lui, il joue vraiment beaucoup de coups. Ok, on se retrouve à 3 dans le pot. La suite, c'est pas incroyable. Hein. Je vais tempo un peu, parce que je sais que lui, il va remettre. Il va renvoyer du... Il va renvoyer, donc... Je tempo un peu pour check. Il check là-dessus. Je touche mon 8. Je touche mon 8. Je peux essayer de faire peur. Oh, 4 blindes et demi, juste pour un 8. Mon 8, j'ai peur que... J'aurais pu suivre. J'aurais pu suivre, mais on va jouer safe. On va jouer safe, c'est un tournoi à 100€. Je vais pas commencer à faire n'importe quoi. On va se mettre tranquille. Il y avait un 6 derrière, ça m'arrangeait pas spécialement. Donc ça me va plutôt bien, quoi. 8. 8-7 de l'autre côté. Attends, couleur. Pourquoi il veut pas faire ça? Putain, je suis en plein setup en même temps. Ça, c'est un plaisir. Ça, c'est un plaisir. Salut, salut les beaux gosses. On a quelque chose si on t'élimine sur le tournoi? Non. Sur, en fait, vous avez sur le... Vous aviez de base sur les free rolls. Le souci, en fait, c'est que c'est vraiment pas rigolo. Parce que du coup, les gens, juste, en fait... Déjà, le free roll, c'est assez particulier à jouer. Là, l'avantage, c'est qu'il y a 40 tickets de 120... De l'équivalent de... Enfin... Qui t'offre 40 tickets, en fait, de 125€, en gros. Pour un tournoi qui aura lieu, du coup, dimanche, qui coûte 125€ l'entrée. Donc, du coup, si tu finis dans le top 40 du free roll, t'as ça. Ce qui est très cool, parce que ça te permet de participer à un très gros tournoi en n'ayant absolument rien mis. Donc j'avoue que ça, c'est quand même assez lourd. Ça met bien. Sache que le toit d'il y a 3 minutes est magnifique. Attendez, j'ai un bug, j'arrive pas à mettre... Ouais. Ouais, j'arrive pas. Ok. Texte. Hop. Je vous mets ça là. Je l'ai fait 2 fois. Je suis débile. J'avais la même source. Je vais vous mettre juste pour les gens qui arrivent. Valet 7, on va se barrer. Anthony, merci beaucoup. Putain que la merde, je sais pas ce qui se passe. 3-8. Bon, à gauche, il y a 86 personnes sur le tournoi. Je suis 36e. À droite, bon, forcément, le fait d'avoir perdu 30 blindes aussitôt, sachant que le tournoi a démarré rapidement, c'est clair que c'était pas insane comme move. Tac, celui-là, je vais le supprimer. On va faire ça. Il n'y a pas un tournoi privé en ce moment. Si, tout est dans le chat. Les gens vont recoller de toute façon. Putain, j'avais le valet. Ok. Ok, je vous mets ça comme ça. C'est pas une scène, mais au moins vous pourrez voir. Ok, c'est bon, je suis bien maintenant, je peux jouer. Je peux jouer. Alors. Bon. Ouais, du coup, bon, on va se concentrer un peu. Moi, récemment, j'avais fait, comme je vous disais là, la dernière fois, un tournoi, en gros, où j'avais joué... J'avais joué, du coup, un satellite à 30€ que j'avais gagné. Il y avait genre 20 joueurs, donc c'est quand même très stylé, parce qu'il n'y avait qu'un ticket, qui m'avait qualifié, donc, du coup, au day 2 d'un gros tournoi où j'avais pris 1000 et quelques euros. Pendant ce temps, on a Valet As sur le tournoi de droite. Je te conseille de déler un tracker style Exister. Ouais, ça pourrait être bien, c'est vrai que j'utilise zéro ça. Moi, je suis un peu un Yankee du poker, mais c'est vrai que ça peut être bien à des moments de... J'avais petit brûlant de 3, là. Mais ouais, ça fait... là, j'avais envie un peu de me faire un tournoi en mode tryhard. Donc, je me suis dit, bon, bah, allons-y pour 2. Est-ce que je le relance? Ou est-ce que je suis juste? Ça, c'est un peu les questions. Je vais suivre. J'aurais pu relancer aussi. Je sais jamais trop quand il faut relancer, quand il faut chauffer comme ça.
J'ai bien fait de pas relancer, parce que lui, du coup, il a un lancé, peut-être qu'il va... Je vais le laisser, en gros, dans ces moments-là, c'est pas mal, parce que c'est lui qui fait le jeu. Donc du coup, là, tu vois, je l'ai suivi sur un move, il y a un as qui tombe, je suis en mode, ok, je check, je sais pas ce qui se passe. Vas-y, mon pote, c'est toi qui dois l'idée. Est-ce qu'il va relancer? Est-ce qu'il relance pas? Il y a deux piques, il m'envoie deux blindes. Ça m'arrange vraiment, puisque j'ai l'as et il y a l'as ici, donc je suis en paire d'as avec un bon kicker. On va attendre un peu. Salvatore, merci pour le 14e mois aussi. C'est un free roll par semaine. Non, en gros, bah après, il y a les free rolls de Gotha et... la dame, mais pas si bien. Il y a les free rolls de Gotha et Dwag aussi qui en font de temps en temps. Ah, les blindes viennent d'augmenter ici. Bon, je suis tout juste comme je suis arrivé, quoi. Il envoie 7 blindes là-dessus. Il envoie 7 blindes là-dessus. Toujours pas mal, hein, quand même. Hein. Je pense que je vais lui mettre tapis derrière. Hein. Là, si je lui mets tapis, je pense que c'est trop tôt. Je pense qu'on peut lui gratter plus. Ça m'arrange pas. As-Roi, As-Dame me fume. Me fumer quoi qu'il arrive. Il avait... Oh la chatte, il a double paire parce qu'il touche le roi. Oh là là. Comme quoi, si je mettais tapis sur le truc d'avant, il se couchait. Parce que le simple 9 suffisait pas. Oh, je suis une merde. Le tournoi de dimanche, c'est 250 000 euros de dotation. Donc, putain. Bon, compliqué le tournoi de droite, là. Tournoi à 50 balles, là, il met pas très bien pour l'instant. Il a des idées de cadeaux pour la fête des mères. Non, je suis pas très bon en idée de cadeaux. Là, c'est clairement pas trop mon fort, moi. Même un peu technique, ouais. Putain, je me suis fait vraiment fumer comme une merde, là. Après, tout à l'heure, j'aurais pas dû suivre, hein. Mais son chagrin post-break dans les jeux d'argent n'est pas une solution, père. Hop. Ok. Non, bah, Valet, c'est de la merde. Hein. Là, je suis sur les Bounty Builders, c'est des tournois, en gros, qu'il y a souvent. Moi, j'aime bien jouer en le truc de prime, là. Chasser les primes et tout, c'est propre. On ne peut plus entrer, c'est jusqu'à 21h30. Impossible de trouver le nom du tournoi. Les potes, pour trouver le nom du tournoi, c'est assez simple. Hein. Tu tapes juste Domingo, et t'as Domingo Free Roll, et tu peux t'inscrire. Et là, il y a 1400 inscrits. Donc honnêtement, il n'y a pas plus simple, je pense. Vraiment, c'est juste, il faut aller dans tournoi, et tu tapes tournoi, enfin tu tapes Domingo. Je suis tellement dégoûté, je pouvais rien faire ce soir. Les Free Roll, c'est particulier, hein, le mode de fonctionnement, les potes. Faut pas que ça vous frustre, c'est plus, bon, bah, si t'arrives... en fait, comme il y a beaucoup de gens et que ça va vite... Frérot, les gars, le tournoi de fiche, c'est pas la peine de le faire. Bah, c'est sympa, tu peux avoir une bonne surprise. Après, oui, il y a beaucoup de joueurs et ça joue vite, quoi. Je touche une paire de 6, quand même, hein. Du coup, j'ai check, j'étais en grosse blinde. Bah, j'ai mon 6, hein, je vais suivre avec ça. Oh, ça fait pas plaisir, ça. Deux blindes. Oh, il va m'attaquer, putain, c'est le moment où je vais être... en kleps. Je lis les messages 3 minutes après, ouais. Je vais être en kleps parce que le mec est devant moi et je suis comme un clébard, là. Je suis comme un con. Avec le tournoi gratuit de Dwag et Gotha, j'ai pris 90 balles. J'ai un vieux 6, il y a un as, on va pas aller plus loin. J'étais bête, je sais pas. J'ai du mal à jouer ces trucs-là. C'est pour ça que là, j'étais chaud pour me faire coacher, mais ça n'a pas été possible. 5-6 de trèfle, si j'ai pas grand-chose à mettre, peut-être que je suis vrai. Après, j'ai tendance à vouloir trop jouer de main. Ces mains-là, je peux bien les aimer. Tu vois, il y a des gens qui suivent à deux blindes, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des as. Avec un 5-6, je peux me mettre dans une suite, dans une petite couleur basse. Typiquement, 5-6-7-8. Mais là, c'est un tirage couleur aussi qui ne met pas bien. Mais tu vois, tu te faufiles, quoi. Un 9 me met bien, mais 9, ça fait peur parce qu'il pourrait y avoir un valet. Un 4. Le 4 me met très bien. Le 4 me met très bien. J'ai une suite, donc. 4, 5, 6, 7, 8. Ça bloque parce que bah, il faut qu'ils aient même un 9, suffit pas. Faut 9 valets ou 5, 9. Le souci, c'est la couleur, là. Je vais attaquer. J'ai pas envie qu'un mec ait un seul pic. 3 et 6 de pic. Quand on va pas jouer toutes ces merdes quand même. Hein. Quatre, c'est beaucoup quand même. Hein. Quatre blindes, c'est beaucoup. Ça fait un peu j'avais une couleur.
Après, si un mec me suivait, c'est quasiment sûr qu'il avait une couleur du coup, donc au moins ça te donnait l'info. J'aurais peut-être dû mettre que 2 ou 3. Après, on prend 1000, hein. On prend 1000 jetons. Il y a eu de la blinde payée ou quoi. C'est pas mal de prendre des petits coups de blinde comme ça. Avec le pot, j'avais peu. T'as pas envie non plus qu'il y ait. Qu'il y ait genre un dernier pic qui tombe à la river. Donc c'est pas plus mal d'envoyer un peu fort. C'est peut-être bien, ouais. Combien de Steve à la table? Ce sont tous des Steve. Je te le dis, mon pote. Bon. Wow, le flop. Roi, roi, as. C'est le coup du AG, tu dois clairement rester sur la turn, tu lui laisses le K gratuit, c'est dommage. Ok. Ouais, parfois j'hésite, tu vois. En fait, souvent, je vais jouer un peu safe, un peu... Un petit coup, quoi. Je joue un petit coup par-ci, un petit coup par-là, et... Lui, il envoie 4 blindes, ça fait peur. Hein. Tu vois, roi, roi, as, le mec, il te met 4 blindes. Faut être confiant par rapport à ce que t'as, hein. 5-2, ça dégage direct. Il y a un deuxième mec en plus. Ça se couche aussi. Sur le tournoi de droite, je commence à pas être bien. 35 blindes, mais bon, on a le temps. Souvent, je me précipite. As-6. Je pense qu'à 8, As-6 dépareillé, je suis pas bien. Je suis pas en bonne place, là. UTG plus 2. Encore une fois, hein, parce que j'essaie d'expliquer aux débutants tout en étant pas un expert non plus. Mais il y a toujours ce truc de position, en gros. Petite blinde. Donc, bouton du dealer. Petite blinde, grosse blinde, UTG, donc Under the Gun, t'es le premier à la parole, UTG plus 2, après je les ai plus tous, mais typiquement, tu vois, lui, là il est en position dealer, souvent quand t'es au bouton, on dit que tu peux relancer plus facilement, parce que déjà tu sais si les mecs sont couchés ou pas. Là je relance à 2 blindes, à 6 en UTG plus 1, le mec, le même dealer, il peut t'envoyer 8 blindes en sur-relance, quoi. T'en penses quoi de la popularité des jeux d'argent sur Twitch en ce moment? Ça a toujours existé, quoi. Enfin, le poker sur Twitch, c'est quand même un truc... Il y avait plus de poker que d'autres jeux pendant un temps, quoi. Donc le poker a toujours vécu là. Après, bon, il y a beaucoup de casinos ou autres, comme d'hab. Hein. Je l'ai pas encore dit d'ailleurs aujourd'hui, mais c'est pas pour les mineurs. Et il faut faire attention, il faut jouer que ce qu'on peut perdre. Moi, j'ai la chance d'être sponsorisé par PokerStars, qui me met de l'argent chaque mois sur le compte poker, où du coup, bah, j'ai des tickets de tournoi, tu vois. Donc ce qui m'est quand même très bien et ce qui te permet justement de pouvoir perdre de l'argent. Mais encore une fois, ça peut être très addictif, donc faut faire attention et faut... Voilà, faut montrer la réalité aussi du truc, quoi. Donc sur la paire de 6, tu as la troisième paire avec tirage couleur sur la quatrième, c'est fold 100%. Beaucoup plus facile, sinon je t'embarque dans des coups horribles. Sur la paire de 6, tu as la troisième paire avec tirage couleur sur la quatrième. Ah ok. Ça se couche. Mais du coup, s'il y a des gens, si vous avez des questions, après je sais que là on est en petit comité aussi, c'est toujours particulier 3 minutes de délai, mais je sais qu'il y a des gens qui s'y connaissent bien, donc n'hésitez pas, hein, si vous êtes débutant, à poser des petites questions. Il y a des gens, tu vois, la joie, qui explique par exemple le 3-bet, le C-bet et tout. Et c'est vrai que c'est comprendre déjà les termes du poker, te permettre de comprendre un peu ce qui se passe. Attendez, parce que je vais peut-être faire un truc là. Ah, mais ça va tout changer. Ça va être très chiant si je fais ça. Ah, quoique. Parce que j'ai peut-être une meilleure scène à vous proposer. Exactement ce qu'on... Attendez deux secondes. Excusez-moi. Hop. J'ai que une blinde à mettre en plus. Bah, je la mets. Je la mets et j'ai une petite paire de 8. Petite paire de 8, on va attaquer. Hein. Il y a du tirage couleur. Je suis la top paire là pour l'instant. On va pas se laisser manger. Hein. Cafard, merci pour le prime. Roi 10 de cœur.
Les deux m'ont suivi. Ce qui met pas max quand même. Sachant que je suis à 30 blindes. Là, typiquement, c'est le moment où je sais pas jouer la main. Là, je sais pas jouer la main, là. J'ai commencé à miser. Je me dis, est-ce que je continue? J'aurais pu le faire hors stream. Comme je suis en stream, je me dis, bon, c'est pas ouf. 8, 9, 10 valets. J'ai pas de... j'ai une paire de 8. C'est de la merde, quoi. C'est de la... c'est pas UTG plus 2, pas plus 1. Peut-être. Et j'avais... Il a touché son 10, mais sinon, il avait rien. Sinon, il avait rien. Ouais, ça faisait pas rêver, quoi. Bon, je vais suivre avec Roi 10. Putain, c'est de la merde. Il y a un 10... Mais du coup, le 18 plus dans le titre, c'est juste pour les règles Twitch. Oh non, c'est pour prévenir, mais bon, malheureusement... Enfin, c'est pas mettre 18 plus quelque part qui va dire à un mineur « Oh là là, putain, je devrais pas être là parce que j'ai pas 18 ans. » C'est un peu le souci. Bon, on believe pour le valet, quoi. Je vais me coucher, j'ai 22 blindes, je vais commencer à pas all-in, mais pas loin, là, à droite. Dans certains spots, genre... Une fois que ça relance 2-3... va miser un peu. C'est 700. Il y a un tirage couleur, j'ai une vieille paire de 10. Je suis en mode, est-ce qu'on va chercher le valet? Je pense pas. C'est même sûr, mais je me pose la question. J'ai acheté le maillot du FC Simis, sauf que j'ai pas rentré toute mon adresse. Comment je fais? Tu contactes le support. Mais c'est vrai que c'est pas insane. Hein. Enfin, quand t'achètes quelque chose, c'est vrai que c'est sympa de... J'ai envie de mettre tapis, là. J'ai envie de mettre tapis. Je suis une grosse merde. Mais pour récupérer... J'ai pas de jeu, mais juste parce que je suis dans une bonne position. Mais lui, en même temps, il a attaqué. Il me suivra avec très peu de mains sur 21 blindes. En même temps, c'est un KO. Je suis une merde. Tout ça pour récupérer 5 blindes. Je suis une grosse merde. Tu vois, typiquement, merci PokerStar de me filer des tickets de tournoi, quoi. Parce que ça, c'est vraiment un move de gros con, quoi. Tout ça pour récupérer 5 blindes, alors que le mec, il attaque en UTG, donc potentiellement, il a... Voilà. Je suis une grosse merde. Allez, je suis une grosse merde. Lui, il m'a suivi. L'autre, il va me suivre aussi. Ce serait limite mieux. Paire de 2. Oh, un 5 ou un 6 8, 7 4 Oh, putain. Il avait paire de 2, il m'a suivi. On serait inscrit. 44 minutes. Il va être un peu tard, mais ça va. Ça va. Bon, au moins, tout va bien. On a 50 blindes. Oh, j'étais à 4000, hein, 3000. J'ai int, j'ai fait n'importe quoi. Et oh putain, j'ai paire de 8 ici. Oh, j'ai int. Ça, je le fais trop, ce genre de move bête, pour récupérer 4 blindes. Je suis qui? Je suis débile. Oh, j'ai un coffre. Bah, j'envoie 2,5 blindes là-dessus. Heureusement, je gagne 75 centimes grâce à un coffre. Ça fait plaisir, ça. Il me suit. 6-4 valet. Je renvoie 2,5, je pense. Je suis au-dessus du reste, mais bon, il y a le valet qui peut faire peur. Il se couche. Je vais récupérer un petit peu. Récupérer des petites blindes. À 6, le jeu va beaucoup tourner à gauche. Je vais faire pipi, je vais me mettre du déo, je pue, c'est peut-être pour ça que j'ai été nul. C'est peut-être une des raisons. J'ai encore envie de faire pipi, mais c'est pas grave. Au moins, j'ai mis du déo. C'est déjà bien. C'est la base, ça te permettra de ne pas rentrer de random dans les coups. Après, les positions, j'avoue que j'aime bien jouer à 6 parce qu'il y a un côté un peu plus random, quoi. Tu dois pas miser au flop au poker, faut laisser l'initiative à l'agresseur original. C'est vrai. Oh, le petit brûlant de 5. Oh là là, le all-in qui est passé. À 5. Le truc, c'est qu'ils vont vite, non, les structures de tournoi, là. C'est combien les blindes, déjà? Oh, 100, 200. À 5, on est à 6, quoi. J'avoue que quand j'ai un as à 6, j'ai tendance à les suivre. Là où à 8, je vais jouer beaucoup plus safe. Oh, il me met tapis, le bâtard.
Ah non, 25 blindes, jamais, jamais. Pas sûr, un vieux As-5 comme ça, quoi. Ouais, là, vous me dites le truc du raise 8 TG de tout à l'heure. Non, mais c'était débile. Parfois, je suis débile. Et en fait, les bounties font que, de temps en temps, je fais des moves beaucoup plus agressifs en me disant, bah au pire, je récupère son stack. Quand tu fais tapis, tu t'en fous de la position. Bah quand même. Hein. Tu vois, là, ça tourne beaucoup, hein, à 6. Hein. Ce qui fait que tu dois jouer quand même des coups pour les blindes. Je peux pas juste te laisser graille, quoi. Lui, il nous graille, là, il a 21 000. Il a killé un mec, déjà. Il va me mettre 2 blindes, je vais suivre. Il va m'attaquer à 3. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mettre tapis? Tu vas récupérer une blinde d'ennemi? Qu'est-ce que tu me fais? Tu te couches? Attention, ah, voilà, couche-toi. Attention, quand même. Respecte-moi. Regarde les tableaux des pusher folles quand t'as moins de 20 blindes. C'est vrai qu'il faudrait que j'ai tout ça. Mais c'est pour ça, là, en fait, je voulais me faire coacher par You, justement le commentateur PokerStars, là, mais il n'était pas dispo ce soir. Mais je pense que j'en referai un bientôt, un petit... parce que j'aime bien, là. Mais je veux apprendre. Et le souci, c'est que solo, t'apprends pas beaucoup, quoi. Donc bon, moi, je suis un peu joueur poker chance, quoi. Un roi 2. Après, je suis au bouton. Si ça n'a pas envoyé, peut-être que je peux envoyer un petit 2 blindes, tu vois. Un petit 2 blindes amical. Les blindes augmentées, c'est plus dur d'aller chercher. J'ai un roi. La soirée est finie, je comprends pas. Bah non, je... Alors, du coup, tu vois, il envoie déjà, donc pas besoin. En roi 2 aussi, ici. Ça se couche sur les deux. Merci Sheva pour le 16e mois. Ça pose 5 blindes. Oh, valet dame de cœur. Après, c'est sympa ses mains, mais c'est toujours un peu bâtard, quoi. Là, je vais suivre tranquillement. T'as un paire de 10 as au flop. Hein. Tu vas mettre tapis, toi? T'as des trucs à récupérer. Oh. Il va m'attaquer. Et je vais me coucher parce que je suis une merde. Bienvenue. Bienvenue dans ma vie. Voilà ma vie. Et du coup, je tiens pas ces agressions, tu vois. En même temps, c'est là où les valets d'âme, bon... Comment tu pinces un nombre de blindes? Dans les options et ensuite tu cliques juste sur ton blaze. Ça, c'est pas mal, ça. Non, je vous laisse tranquille, moi. Je vous laisse tranquille. Hein. C'est quoi un tracker? En gros, un tracker, c'est un truc qui te permet en fait de savoir sur chaque profil à peu près, je crois, comment ils jouent les gens. Genre peut-être leur bankroll, tu vois, pour savoir à quel point le mec, ça peut être un gros joueur, pas un gros joueur, etc. Quoi. Ce genre de choses. C'est quoi qui change entre les bébés et les mises de jetons habituelles? En fait, c'est bien, vous avez plein de questions, c'est cool. Et je vois des gens qui s'y connaissent, qui répondent. Donc, en gros, là, par exemple, tu vois, en mise de jetons, le truc, c'est que parfois, ça veut rien dire ton nombre de jetons. Tu peux avoir 800 000 jetons, tout va dépendre de la blinde. Si t'as 800 000 jetons mais que la blinde c'est 400 000, bah en fait t'as que deux big blindes. Ce qui fait que, même pas en deux tours, mais genre une grosse blinde et une petite blinde, t'es mort quoi, quasiment. Donc en fait les blindes, ça te permet de savoir combien de tours justement tu peux tanker. Donc là moi j'ai 40 big blindes, tu vois, à tanker, en ayant 10 000 jetons. Le truc c'est que toutes les 3 minutes ça monte. Un peu plus, toutes les 8 minutes je crois. Donc ouais voilà. Style J8, suited, K9, suited, etc. Ouais, tu penses? Genre là, Dame 8, même si c'est pas suited, je pense que je manque de largeur de main. J'aimerais tellement avoir Domingo à ma table. Ah, je suis un fiche. Hein. Mais bon, dernière fois, je m'en suis sorti avec... ouais, je vous dis, j'ai gagné, comment ça s'appelle, un satellite. Oh, bon, il y avait 20 joueurs, tu vois, mais c'était clean.
Et je prends 1080 euros, quoi, derrière, en faisant 75e, 70e, je crois. À 9-10, je vais suivre, hein, selon le conseil. Je touche mon 10, tu vois. Donc là, on va pas... J'ai appris ce que c'était qu'un donkey bet. C'est lui qui avait misé. Le truc, c'est qu'en fait, ça me fait peur quand j'ai rien de jouer ou pas jouer, tu vois. Et du coup, je suis facilement impressionnable. Et du coup, par contre, quand je go vénère. Mais ce qui fait que je suis facilement lisible, quoi. Voilà, je suis en mode, bon, il y a eu un premier tour. Après, moi, ma paire de 10 est forte, là, je pense. Hein. Je peux continuer à check. Je pense que si on m'envoie quelque chose, j'y vais. Poursuivre, parce que c'est pas sûr que le mec ait un roi. En fait, le truc, c'est que ce qui est trop dur au poker, c'est quand tu pars du principe où tout le monde... Enfin, tu te dis tout le temps que le mec a un truc mieux que toi en face, tu vois. Là, lui, tu vois, deux tours, à sa place, j'aurais misé, là. Là, je me dis que miser peut faire peur. Voilà, classique. Là, il est dans une position où ça fait deux tours que ça check. Il se dit qu'il peut peut-être récupérer quelque chose. Il y a toujours un tirage couleur. J'y vais, tu vois, parce que je suis sur une paire de 10. L'autre se couche. Je pense qu'il va remiser. La question, c'est est-ce qu'il a le roi, est-ce qu'il a pas le roi? C'est toujours trop difficile, ça. Sa position fait qu'il peut ne pas avoir le roi. Il s'est pas montré tout de suite. Là, ici, ça se couche. Enfin, c'est pas ça se couche, mais... Il va m'envoyer, je pense. Il va mettre tapis. Est-ce qu'il met tapis? Il va mettre tapis, peut-être en pression totale. Ou alors, il va check parce qu'il a peur, il sait pas ce que j'ai. Il va peut-être mettre tapis en full pression. Je le vois pas trop envoyer genre 8-10 blindes. La moitié. S'il met de la moitié du pot, je le suis. Tapis. Ouais, c'est ça. C'était sûr. Ah là, je vais pas suivre, tu vois, parce que 100%, je suis pas assez en confiance. Et je pouvais avoir une lecture qui était bonne, mais bon, il peut très bien avoir le roi et je suis une merde, quoi. Ou il a A5. A5, c'est une suite. Je vais attendre un peu pour lui mettre la pression. Enfin, pas lui mettre la pression, mais... Ça te donne les fréquences de relance, etc. Putain, c'est pas mal le tracker, quand même. Hein. Ouais, j'ai suivi 4 blindes. Je sais pas si c'était un mauvais move ou pas. C'est difficile. Hein. C'est difficile. Mais du coup, je vais jouer que mes bangers, quoi. Et donc, je vais être... Je vais mettre tapis. Je vois tout le monde qui va mettre tapis, là. Ah, putain, le seum. La suite, je suis pas mal, quand même. La suite, suitée... Pourquoi lui je le vois en... Ah c'est bon. Il va me relancer. Le montant de la blinde est aléatoire. Non en fait tu vois, regarde, là ici tu peux le voir, ça monte. Là c'est 200-400 et dans 6 minutes ça va monter. Il me met tapis, mais quel gros bâtard putain. Là les mecs savent que je suis un fiche. Il m'abuse. Du coup là j'ai perdu genre... Ah putain il y a une pause derrière. Ah quelle bande de gros bâtards. Quel gros. C'était 30 balles, Apache. Plus satellite, t'as gagné de l'âne. Browning. Putain. Ah, je me suis fait yankliser, là. Et là, je me retrouve dans une situation où je me suis fait bouffer petit à petit. Et du coup, je me pose la question de est-ce que c'est parce que je joue trop de mains? Quand je les joue, je suis pas assez déterminé. Mais en même temps, t'as ce truc où, bon, bah, si tu les joues, ça peut aller très vite et aller au bout, quoi. T'es en positif sur le jeu. Non. Non, non, au poker. En fait, comme on me donne de l'argent, en plus, ticket tournoi ou autre. Il y a des moments où j'avoue que je me fais des... Parfois, je me fais des sit and go à 50 balles, tu vois, mais parce que j'ai la chance de pas jouer que mon argent comme je suis sponsorisé. Mais du coup, non, non, je suis en négatif, moi, au poker. Juste, du coup, bah, comme j'ai un sponsor, ça me permet de pas taper dans mon propre argent, quoi, pour être dans ce négatif-là. Mais ouais, non, c'est pour ça que c'est important, quoi. Ah ouais, tu vois, là, c'est pour ça, là, j'aimerais bien avoir un coach. Putain, faut que je refasse un tournoi où je me fais coacher, là. Là, je vais demander un... T'as le 10, tu call. Ah ouais, vous auriez call, vous, le tapis, là? Ah, vous en êtes à peu près à ce moment. Je vais aller faire pipi juste après, mais... T'as pas peur du streamac au poker? Je crois que les mains, c'est 4 minutes, c'est idéal, mais bon. 4 minutes, c'est vraiment long, quoi, en stream. Ouais, c'est vrai que si le temps est utilisé... Il a pas. Souvent, les mecs bluffent, en fait. Mais du coup, dans ces gros tournois, tu te dis souvent que... Enfin, je me dis souvent que les mecs te bluffent pas, et du coup... Et on presse. Le truc, c'est que là, on joue sur une table à 6 où ça tourne, quoi. Ça tourne très, très vite, donc... Donc, bon.
Donc bon, pas simple, quoi. Là, je suis curieux, tapis. Vous vous posez la question. C'est un jeu de logique, on dirait des maths. Bon, c'est la probabilité, quoi. Calipox, merci. Le stream hack, du coup, c'est les 3 minutes de délai, ouais. Une pocket pair, tapis. Ah ouais. J'aurais peut-être dû y aller, quoi. C'est triste. Ouais, c'est triste, c'est triste. Après, c'est toujours dur de savoir, quoi. Crame pas ta time bank pour rien, c'est de la préserver pour des décisions difficiles. J'aurais passé aussi. Ah, disons, comme j'ai un peu int en plus, tu vois, t'es dans une position où... T'es en mode let's go, quoi. C'est-à-dire quoi, hanté 50, en fait, les hantés, c'est au-delà de petite blinde, grosse blinde. Et hanté, c'est tout le monde qui va déposer quelque chose. Donc, par exemple, hanté... hanté 50, c'est moi, je pose 100 de big blind, de petite blinde, 200 de grosse blinde, et lui met 50, 50, 50, 50. Attends d'avoir As pour miser. Relance 3 big blind minimum. Ah, en BVB, ça veut dire que c'est, ah, c'est blinde contre blinde. Ouais, parce que le 2 blindes, ça fait trop, j'essaye de charquer ton truc, quoi. Ok, bon, je vais faire un petit pipi. J'arrive tout de suite. On va essayer de se remettre dedans. De toute façon, hein, c'est du poker, là, ça commence à tourner, donc il va falloir un ou deux gros coups. Deux minutes. Alors, qu'est-ce que vous m'avez dit du coup pendant ce temps? Je pense pas de big blind, donc ça c'était pour le PVB. Je pense qu'il a souvent un bluff en faisant tapis 1,5 fois le pot. S'il avait un roi, il voulait qu'un dispay, donc un demi-pot ou deux tiers. Là, son all-in n'est pas cohérent, sauf s'il a A5. Faut jamais être sûr. Ça va, en vrai, t'as conscience d'être un fiche, du coup plus de marge de progression. On essaye, ouais. Oh, aïe aïe aïe, on vient de me dire que... Prochain poker que je vais faire... qui sera, je pense, pas cette passe à la semaine d'après, mais celle d'encore après. Il y aura You pour me coacher. Julien You Brécard, du coup, qui est un ancien joueur pro et qui est commentateur sur PokerStars. Et du coup, ça sera cool parce qu'il pourra aussi vous expliquer, vous, tu vois. Moi, je me pose des questions et c'est justement pousser un peu le truc, quoi. Donc, premier sur le free roll de Domingo, on est là, courage, les potes. Vous pouvez encore vous inscrire, une demi-heure pour s'inscrire, ceux qui sont arrivés entre-temps. De Ski, oui, merci pour le deuxième mois. Pas que tu sous-estimes ta position sur 9-10, t'avais la paire. Ouais. Il y a peu de joueurs qui bluffent sur 3 streets dans ce genre de tournoi. Le mec peut avoir une pocket, un K, un 10, un meilleur. Ok. Je change de... Quoi? Ah non, c'est bugué, ok, parce que je me suis vu à 78 blindes, mais... Du coup, j'arrive à une nouvelle table. J'ai un mec qui a moins de stack que moi, mais qui a déjà un mec éliminé. Ok. Plus agressif en 6 max que sur la table de 8. Ouais, bah c'est pour ça que je joue plus de mains. Mais du coup, je me retrouve à jouer plus de mains, mais pas efficace, tu vois. Parce qu'en fait, je paye souvent pour voir des flops. Et ensuite, bah si j'ai rien touché, je fais rien, quoi. T'as bien processé, en fait, depuis que je t'avais pas vu. Je dis, toi, que le mec. Que plus le mec miche cher, plus il est polarisé. Soit il a une grosse main, soit un bluff. Trop beaucoup de mecs qui osent tout. Les mises sont trop petites sur Pokémon. Beaucoup d'amateurs qui jouent toutes les mains. Après, tu commences à jouer des tournois à 100 balles. Alors qu'avec un tirage quinte loupé, par exemple, QG, il aurait plutôt tendance à faire tapis. Ok. Ah, c'est intéressant ce que vous me dites. Hein. Mais du coup, ouais, non, je suis content là. Je pense qu'on se fera aussi ça dans 2 semaines. Une autre soirée tournoi tryhard.
Et du coup, avec un coach, c'est cool parce que ça te permet de poser un peu le truc, quoi. Chocolat Pretty, merci pour le Prime, bienvenue. Ça te permet de poser un peu le truc et d'avoir des réponses aux questions. Et vous aussi, tu vois, si vous cherchez à progresser ou à comprendre ou autre, ça vous permet que ça soit un peu plus clair, quoi. Donc... Il aurait value à la river. Ouais, après, c'est difficile. C'est quoi le code? Point d'exclamation tournoi. Bonjour. Est-ce que j'ai mis point d'exclamation? J'ai pas mis point d'exclamation tournoi dans le... Je mets ça dans le titre, comme ça, les gens qui arrivent... Bon, beaucoup ne demandent pas parce que... Parce que c'est les gens, mais bon. Bon, on est mal un peu sur les deux tournois. Mais faut pas non plus... Faut pas être en loser. Moi, c'est vrai que j'ai tendance, surtout sur les... Les KO à all-in, tu vois, étant tu vois, cette as là, tu vois, c'est ma blinde, donc faut que j'aille la défendre, quoi. Là, faut que j'aille la défendre. Question, c'est le Pasco, là, il met all-in. J'y vais pas. Ça, c'est les questions, ça. Hein. Tu vois, deux blindes, ça, je vais les payer, ça. Ça, je vais les payer tranquillement, tu vois, ce deux blindes, moi. On va les représenter, tranquille. J'ai un As, 300, si je me couche là, on joue plus, quoi. Le truc, c'est quand même là, tu vois, du coup, c'est normal de pas toucher à chaque fois. Là, la question, c'est de savoir. S'il me relance, j'ai envie de mettre tapis, pour lui faire peur. Je suis une merde. Beaucoup trop de choses qui sont passées dans ma tête, je me reprends. Tout va bien. Tu vas bien, tout va bien. Que là, il y a un moment où soit je vais me faire grailler à petit feu, soit j'envoie tapis là. Et c'est un KO, il va me suivre. Non, il passe. 31 blindes. Ouais, il y a un moment, faut faire peur aussi, quoi. Après, s'il avait touché son roi, t'es baisé, quoi. Après, c'était bizarre aussi, ce truc de se dire, il met 2,2, donc potentiellement, il représente une bonne main. Enfin, tu vois, une main pour y aller. Et ensuite... Et ensuite, vous embrouillez pas dans le chat. Hein. Dame 10. Bon, tu vois, on reprend un peu de vie, là. 6-2, ça va se coucher. Le truc, c'est que... Il faut agresser, quoi. Salut, mon petit chien. Tu viens voir le poker de papa? Viens, c'est chill. Normalement, je crie pas trop, sauf si je prends des dingueries ou mets des dingueries. Donc, c'est très probable que je crie. Viens, mon chat. Dame 10. Oh, 6 blindes. 6 blindes pour Dame 10. Ouais, non, ça suit pas, ça. 6 blindes, alors que ça a misé UTG... Ça a mis x3 derrière, c'est pas possible. Hein. Viens là. Non, tu veux pas? Non, tu veux juste me grailler les mollets, en fait. C'est un choix. Quel est le plus petit prix d'entrée sur PokerStars? Oh, il y a des tournois pour tous les prix. Il hein. Y a des tournois à... 0,25 centimes, l'entrée. Enfin, t'as vraiment de tout, quoi, tu vois. 0,25 avec quoi? Avec 3 balles à gagner. Bon, tu vois, il y a... Là, pour l'instant, il y a 0 joueur aussi, donc... Tu vois, il y a des tournois à 1€, à 1... Il y a plein de petits tournois. Ouais, je vois, c'est 10 centimes à ce qui paraît. Avec une entrée de 0€, tu reçois jamais rien. Bah, en fait, c'est une bankroll à construire, quoi. Tu peux te dire au début, tu fais un premier tournoi, tu vois, genre... C'est l'avantage des free rolls, quoi. Ou des satellites ou autres qui te permettent d'avoir des places pour un autre gros tournoi qui te coûtait plus cher. Tu vois, ça, c'est sympa, ça. Puis même, ça te permet de vivre un truc un peu, quoi. Donc, moi, la dernière fois, c'était une bonne expérience, là, hein, putain. J'ai même pas pu la jouer vraiment, donc j'ai juste... été en tapis... En tapis à gogo, mais... Du. 25 big blind à set off, tu payes pas tapis pré-flop. Faut juste que t'apprennes tes ranges, tout ira bien. Mais j'avoue que je préfère le 6 max du 8 max du coup. Parce que après tu joues plus aussi et je suis un peu impatient donc. Ça dit quoi là, à 5? Non, j'ai pas vu. À 5, dame roi, as valet. Non.
Et c'est lui qui a gagné avec As-5, avec sa paire de 5 de merde, là. Après, il n'y avait pas beaucoup, on l'a gagné. Ça avait juste agressé au début, quoi. Vous me dites tous non. Pour le tapis, là, où le mec s'est couché. Putain, heureusement qu'il s'est couché, hein. Le tapis m'a fait peur, tu m'étonnes. En même temps, tu vois, sinon je me fais graille à petit feu, quoi. Il a beaucoup de droits dans sa range, c'est vrai qu'avec 2,2 blindes... Demande à You des cours sur les mains à relancer ou à coucher en tournoi par rapport aux positions, ça évite d'avoir mal de tête. Ouais, de fou. J'adore faire des check-raise. Ouais, je suis très check-raise aussi, moi. Ah non, on va pas renverser l'eau, là, bébé. Non, non, mais on va jouer que des gros, hein. 21 blindes, là, je commence à être... Tiens, je vais check sur mon tel. Le tableau des... Tu vois, 9 rois, là. Tout à l'heure, je lisais un message comme quoi ça pouvait être intéressant, peut-être, de commencer à ouvrir sa range un peu. Le truc, c'est que je suis UTG. Ça me fait chier de l'acheter, la 9 rois. Mais je suis UTG, j'ai plus que 22 blindes. Je vais passer. Je vais passer pour avoir des retours, pour avoir vos avis aussi, tu vois. Mais j'aurais bien envoyé un petit 2.2, quoi. Un truc comme ça. Paire de valets à droite. Paire de valets, 21 blindes. Ça peut... En fait, faut que je mette automatiquement que j'envoie 2,2. Ah, c'est vrai que je ne saurais même pas mon Dame 10 si je l'ai regretté ou pas. Non, ça va, je ne regretterai pas. Fais pas tomber l'eau. 45 blindes. Putain, le Roi 9, là. Le Roi 9, on est content de ne pas l'avoir joué, hein. Mais est-ce que sur l'idée, ça... Bon, le mec a mis tapis derrière, tu vois, mais... C'était intéressant. Non, non, parce que UTG, genre j'aurais été au bouton, je pense que ça aurait été pas mal. Après, c'est comme d'hab, ça dépend de qui a joué avant. Oh, le brelan. Tu vois, là, j'ai tendance à check-raise. Là, j'ai tendance à check-raise. Sauf que le check-raise te permet trop de... Enfin, souvent, je check et du coup, je suis un con, quoi. Je check. Et voilà. Et du coup, là, il y a des possibilités de couleurs. Et du coup, parfois, il faut juste sécuriser sa main. Là, il va m'envoyer quelque chose, là. Non, bon, bah, je vais lui envoyer, du coup. 2,5 blindes. C'est envoyé plus cher, là. Même s'il a un trèfle pour le faire coucher, pour pas qu'il aille jouer... Ouais, j'ai un full. Je mets 5 blindes. C'est 2000. J'ai pas envie de mettre tapis pour pas qu'il ait trop peur non plus. Je suis sur un full, ça bat la couleur. Tu vas me faire, frère. Ah, il se couche. Il se couche. Je pense que c'était pas si mal joué. Là, je vais pas y aller. Je pense que c'était pas si mal joué. Je pense que c'était pas si mal joué, ce que j'ai fait. Tableau des... Non, non, Ouna, faut arrêter avec ce verre. Salut, je suis nouvelle sur la chaîne et bienvenue. Bienvenue. Intéressant quand on veut commencer tranquille sans lâcher un gros billet pour s'inscrire. Ah bah de toute façon le poker c'est ce qu'il faut. Hein. Jouer ce que t'es capable de perdre. Oh la paire de deux. Putain, je fais quoi d'une paire de deux? Non. Là c'est 15, c'est 10% de mon... Arrête, non. T'es chiante. C'est 10% de mon... Je dois pas faire ça. J'ai hésité entre mettre tapis ou me coucher. J'ai mis 2 blindes. Je sais pas les jouer, celle-là. Voilà. Ouais, c'était peut-être intelligent de pas... J'aurais dû la coucher direct. As 10, Dame 10, il touche son 10. Ouah. Il touche la dame derrière. Ouah, aïe. Bien joué le Falcon 9.
Avec plus de stack, t'aurais pu te permettre. Ok, là, ouais, j'étais trop short, quoi. Ouais, là, je dois quand même jouer des frappes, quoi. Range. Open. 6. Max. Non, mais toi, tu vas être chiante, là. Elle kiffe trop les verres à pied, là. Attends, pourquoi je bois ça? 6 max. Et du coup, elle veut niquer le pied à chaque fois. Quelle main relancée en MTT 6 max. Ah, parfait. Alors là, je commence à être un peu short, donc 20 big blind moins. Attends, légende. Le jeu, mais attends, je suis tombé sur un tableau de merde. Je suis tombé sur un tableau de merde qui grille. Je veux une grille, moi. Je veux comprendre direct. Je veux comprendre direct. Voilà, je vais me coucher. 5-8, ça, je vais pas lancer. Je suis obligé de mettre mon putain de verre ici, quoi. Ah là, tu te sens bien eu, là. Alors, la grille d'open. Vest 3 bêtes. Putain. Je comprends rien à la grille. Je comprends rien à la grille. Clamea qui a réussi à lâcher son prime finalement, merci. Un tiers du pot au flop est pas mal pour ses bêtes et gagner de la protection. Ouais, j'aime bien, c'est ça à peu près. J'aime bien. C'est souvent ce que je joue à peu près. Comme objectivement, t'es moins bon que le fil des tournois à 100€. Oh, shit. Il y a un mec qui vient de se faire tâche et j'ai paire de dames. Oh, la paire de dames. Et à côté, j'ai dame roi. Oh non, me dites pas que personne va jouer sur ma paire de dames. Joue tapis, joue tapis, joue tapis, je te couvre en plus. Oui, oui, monsieur. Allez, et joue tapis aussi, toi. Comme ça, je peux tripler. Oui, tapis, suis-le. C'est argent, 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 argent. Tu vas lui prendre l'argent. Oui, et je relance. Allez, la paire de dames, et tiens. As-8, As-3, pas d'As. Pas d'As. Il y a un 8, pas de dinguerie. Un valet. Let's go! J'élimine un mec et je prends full. On est là! Et je suis à droite. Let's go! Et je touche mon âme! Let's go! Let's go, Una! Pardon. Pardon, mon petit chat. Je suis à 21 000. Bon, on est re-bien là. On va pouvoir jouer ce tournoi. Je suis 25e sur 119. On est face à un mec. Oh, lui, j'ai joué contre lui! C'est lui qui... Ah non. C'était une PP Mbappé qui m'avait éliminé dans le tournoi... Tournons en question là. Je mets 3 blindes à droite. Ok, là on est en confiance. C'est ça le poker aussi. C'est mental. Là maintenant, lui je te mange, mec. Dame 10, je vais te chercher tes 2 blindes. Ouais, je les suis sans souci. Ouais, je touche mon 10. Je vais te checker, c'est à toi de jouer. Je t'en pose un peu. Je t'en pose un peu. Oh, la paire de dames qui nous met dedans là. Allez. Et donc là, du coup, j'ai récupéré de l'argent, tu vois. Donc sur les 100 balles, là déjà, j'ai peut-être. C'est quoi, 22? Non, il avait 30 et quelques lui. Je check. Parce que c'est à lui de faire le jeu. Il check là-dessus. Ok. C'est bien pour moi parce qu'il n'y a pas de paire haute. Je vais envoyer 2 blindes, je pense, tranquillement. J'ai fait quoi? Je me suis couché du coup à droite? Ah non, j'ai gagné le pot. Tout le monde s'est couché. Putain, je suis. Le 9. Il faudrait un 8 et un 6. Les 2 carreaux. J'ai peur des 2 carreaux. Oula, 12 blindes. Il va à tapis. Ah, j'aurais dû remiser. J'ai eu peur bêtement. Mais on récupère encore un peu. Et je touche une paire de 9. Allez, on est parti. 17ème sur 117, là. Allez, on va taper, là. Là, on va faire mal. 2 blindes. 2 blindes, je te le suis, mon pote. T'es 2 blindes. Attends une première, mais commence à avoir une stratégie. Eh ben, les potes, je crois que j'ai eu la première, mais je crois que la stratégie, elle est en train d'être mise en place, là. Ouais, je touche ma petite première, moi. Putain. Ok, paire de 9 qui peut être battue par un 10. Je vais attaquer, sachant que je suis dernier de parole, si jamais ça go pas. Sinon, je vais suivre. J'ai un peu de... J'ai de la range, genre, je suis bien. Ah, sympa, Blank. Pourquoi pas, ouais. El Famoso, merci pour les 7 mois. 2 blindes, 2,8 blindes. Il y a 2 piques. Il y a un 10 qui fait peur, quand même. Qu'est-ce qu'il va mettre avec ces 2 blindes? As-10? J'ai envie de suivre. C'est peut-être un peu bête. Il va m'emmener dans quelque chose que j'ai pas envie. 3 blindes 4. Il a un putain de 10, qu'est-ce que je suis en train de faire? Faut pas non plus que je me surexcite.
Il aurait pas misé ça avec un 5. Soit il a une paire servie, soit il a un danger, soit il me met juste en pression. Mais il peut très bien juste avoir un 10. Et je suis juste en dessous. Bully, merci pour... Je vais me coucher. 100% validé, Blenko. Ok. Bon, je vais pas... pas trop d'excitation. On a le temps. Je suis bien. J'ai perdu genre 4-5 blindes là-dessus. Mais je pense que ça méritait de suivre. Peut-être pas la deuxième fois. Peut-être que si. Mais... Mais ça arrive. Ça arrive, les erreurs. On a fait un bon coup. D'ailleurs, j'ai agressé l'autre. Juste prenons pas trop de presse. Les dames. Bon. Lui, il est allé, il s'est couché. Après lui, il peut peut-être jouer agressif. Hein. Paire de 4. Putain, les paires de 4, c'est vraiment de la merde. Et en même temps, là, c'est le moment où parfois, juste, je tempo trop. Je dois pas aller jouer les paires de 4 comme ça. Mais je me dis, c'est une chance sur 8. T'as 12% de chance de toucher un brelan au flop. Ce 12%, il peut faire mal, quoi. Après, ça peut aussi se coucher, quoi. Mais deux blindes, c'est un peu petite couille. Est-ce que je devrais pas jouer des 2,2,4 blindes, tu vois, ce genre de truc? J'ai l'impression que je suis un peu petite couille de jouer deux blindes. Là, je mettrais un 1250, ça mettrait... Oh bah ouais, pas à ce point. Lui va me contrer, lui. Lui, il a capté que j'étais un fiche et il va vouloir me faire peur, le Brésilien. Ok, je le fume. Bon, on a récupéré. Peut-être 2,2, c'est pas mal. Ouf. On se couche. Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Ça va? Hop là! Papa, il va gagner. Papa, il va... Il va acheter les croquettes, papa. Oh, paire de dames à droite. Oui. 2,5 que j'envoie, je pense. 2,3. J'envoie 2,3. Merci beaucoup, Odax, c'est très gentil. Là-bas, ça rejoue fort. Ouais, lui, il a déjà un bouton gagnant ce coup, donc il a gagné un gros tournoi déjà, tu vois. Pourquoi ça doit pas non plus nous impressionner, hein. Il all-in ? Je suis capable de le couvrir, j'ai une paire de dames. Il a As-10. Est-ce que ça passe deux fois ? Attention au trèfle. Allez, pas d'As, pas... Et ça tombe ! Les dames ce soir ! Non, je te fais peur, mon chat, je te fais peur. Faut peut-être pas que tu restes à côté de moi quand je joue au poker, en fait. Je t'avais dit que c'était chill, mais c'est vrai que je suis un... Oh, paire de rois ! Pardon ! Pardon. Tout va bien, mon bébé. Je vais te filer des croquettes. Je te file une extra croquette là-dessus. Oh là là, là on a de la chatte, là. Là on est en chatte, là. Donc là, du coup, j'ai éliminé un mec, donc j'ai retouché des sous, là, tu vois. 2, 3, il fait tapis, ça dégage. Paire de rois. Juste après la paire de dames, la paire de rois. Je remonte, hein, 62e sur 300. Allez, venez. Deux blindes qui sont suivies. Ça veut pas relancer ici, là ? Oli ? Mets ton tapis, Zéphir. Allez, porte tes couilles. Oh, dommage. Il y a une dame, je suis toujours au-dessus. Il me faut pas d'as, c'est tout. Bah, du coup, vous en doutez bien, je vais vous mettre une presse, hein. Je vais pas vous laisser, les gars. Je vais mettre 3.3. Je vais mettre 3 blindes, ce qui est à peu près un petit peu plus, c'est 35% du pot. Ça suit là-haut, qu'est-ce qu'il peut avoir là pour me suivre avec... L'autre se couche, le 3 encore, je vais l'emmener. Je vais mettre 6 blindes, je pense. 6 blindes, c'est 3600. Dans le pot, ça vaut. Il va se coucher, je pense. Oh, As-10. As-10 carreau au bouton. As-10 de carreau au bouton. Oh, l'as. L'as avec les deux cœurs. Aïe. Et l'autre va m'envoyer tapis là-dessus. Là, je sais pas quoi faire. Là, c'est le moment où je sais pas quoi faire. Attends. Ouna, tout va bien, là. Ça va, mon chat? Je check. Il va me relancer. Coconut, merci pour le 32e mois. Là, il y a mon stack, je peux doubler, quoi. Il va pas me le laisser. 7 blindes ici. Il me met 8 blindes. Ah, je paye ça. Hein. Je peux pas juste compter sur le tirage couleur ou sur l'as. Il a l'as. Je pense qu'il a l'as 100%. 8-9. Il a rien du tout. Grosse merde, pardon. Il a rien du tout. Je suis à gauche. Il m'a quand même relancé, hein, le bâtard. As-10, c'est quand même solide pour suivre à 6 blindes. On n'a pas dû toucher. Il m'a su relancer.
Je vais envoyer. Je vais envoyer comme si j'étais sur un As-Valet. Il a pas dû toucher non plus, je suis sur As-10. J'envoie 7 blindes à nouveau. Il me suit où il met tapis, je pense. Il faut que je protège aussi un peu mes mains. Allez, 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 c'est bon ça, c'est bon. Super ça. C'était important celle-là de la gagner pour rester dans le coup. Et j'ai roi dame mon petit chat. Bon. Pas mal là, pas mal ce qui se passe. Ça s'enflamme là. Faut rester calme quand même. Faut rester calme. J'envoie 2 blindes. 19 suitées, c'est pas si mal. Hein. Surtout que je viens faire un gros coup. Je suis 23ème sur 350 là. Hein. Lui, il joue pas. Donc quoi qu'il arrive, je lui envoie 3 blindes et juste je récupère automatiquement. Le feu. Le feu. J'ai roi dame encore. Ah non, je savais que j'avais roi dame, j'ai déjà misé. Les dames, on a dit. Les dames. Ce soir, c'est les dames, là. J'ai envie de l'agresser. Je suis très... En fait, comme je suis très bien en stack, j'ai envie de lui faire peur. J'ai envie de lui faire peur, tu vois. Là, ça a déjà joué, je vais me coucher. Là, c'est des moments où c'est dur de suivre, tu vois. T'es à 16 blindes, voilà. Soit tu me mets all-in, soit tu te couches. Je vais tempo un peu, je vais me coucher. Mais il aurait pu se coucher facilement, tu vois. Donc je pense que c'est peut-être le genre de jeu que je dois avoir quand je suis le plus gros stack à la table. Souvent, je l'ai pas assez ce jeu et j'attends juste. 9 rois, pareil, on va tempo. Mais en fait, elle kiffe un masque de catch que j'ai ramené du Mexique. Et elle le surkiffe. Viens là, viens là. Et c'est ça peut-être que tu veux, en fait. Tu veux te poser avec moi sur le masque. Viens, petit chat. Viens là, mon bébé. Hop là. Hop, ici, là. T'es pas bien, là? Pas l'air très bien, quand même. Pas l'air au max, quoi. Bon, pas mal. On a éliminé un mec sur chaque table. On est sur un bon bail. Ok, lui, il a gagné. C'était quoi? C'était As-Roi contre... As-Roi contre As-Dame, et c'est As-Dame qui a gagné. Les dames, ce soir. Ce soir, c'est les dames. Hein. Allez, faut pas non plus jouer des coups trop bêtes. Souvent, j'ai tendance à faire ça. Bon, en tout cas, là, on a eu un beau petit enchaînement de jeu, hein, quand même. Hein. As-Valet, ça tient là, pas de 7. Ça tient, putain, le flop. Oh là là. Dame-Valet. Dame-Valet, tu vois, j'ai envie de... Je me couche. Parce que je sais pas les jouer. J'avais envie d'envoyer 2.2 en disant que je suis le plus gros à la table. Je suis pas le plus gros en l'occurrence. Je pense que je le suis avec 10 valets. S'il met tapis là-dessus. Ok. Je pense que je le suivais avec 10 valets. Parce que ça vaut le coup, parce que le potentiel d'élimination est assez élevé. Et il était dans une position où s'il aurait mis tapis, il avait pas forcément une bête de... une bête de position, tu vois. Mais bon, tout ça, c'est sorti de mon cul, quoi. C'est un peu comme d'hab, quoi. Oh putain, j'ai un gel douche ici. J'ai un gel douche, diesel, on is a brave. Je voulais juste regarder les différentes positions, quand est-ce qu'on rentre dans la monnaie et tout. Parce que je pense que c'est des tournois qui vont aller quand même assez vite. On va prendre un peu le temps de jouer d'ailleurs, on va pas non plus se presser. Tu vois, je vais prendre le temps. Parce qu'il y a d'autres mecs qui sont sur les tables aussi. Et les blindes, elles commencent à taper là, 400-800. Je suis 26ème. Ça touche bien là. Les croquettes s'impatientent. Ah ouais, en plus, je vais lui filer les croquettes. Mais non, attends, non. En fait, je lui ai déjà donné cet après-midi parce que normalement on donne que 2 fois par jour, mais là je lui avais fait un petit. Je lui avais fait un petit bonus là. Pauvre chat. Eh mais attends, elle est trop heureuse hein, mon chat. Hein. Mon chat, c'est la plus heureuse, hein. Je la mets au max. Hein. Ma reine.
Alors, ils ont pas passé là depuis. Tu vas me faire quoi, toi? Tu vas me mettre 3 blindes là? Rerigui, là? Rerigueri, t'es sûr? T'as vu que je pouvais être un peu fou, hein? Ah, c'est bien, merci. Merci de me respecter. Ouf. 10-2, 8-2. Alors, du coup, c'était quoi le tournoi, là? Donc, le tournoi, c'est... T'es 35e sur le tournoi de droite. Tu prends 184 balles. Ah ouais? Ah non, c'est 100 balles. Non, c'est sur le tournoi de gauche. Donc, en gros, là, il reste 95 mecs. Dans 60 gars, je commence à rentrer dans le bénef. Là, le souci, c'est qu'il va me mettre tapis avec n'importe quoi. Et j'ai vraiment pas une main qui a envie de faire ça. J'aurais peut-être pu, c'est peut-être... C'était peut-être pas loin d'être worse value, mais je sais pas faire tout ça. Donc juste, il y a un moment, faut savoir être humble aussi. Du coup, le tournoi de gauche. Le tournoi de gauche, si jamais je le remporte, c'est 3300 balles plus les bounties. Hein. On n'en est pas là, mais... Le plus grand tapis, c'est 76 000. Et le tapis moyen, il est à 22 000. Donc je suis tout juste... Ouais, c'est parce qu'il y a des écarts. Il y a beaucoup de mecs qui vont sauter, quoi. Ok. Et l'autre, ça c'est celui qu'on vient de voir. All-in en bataille de blindes. Tu penses que là j'aurais dû, là? Et le 30, c'est à partir de 120 joueurs. Il y a encore le temps. Pareil là, j'avoue que il y a encore le time, quoi. Bon, est-ce que je me prendrais pas un truc à bouffer puisque... Non, ça va. Pas faire n'importe quoi. Bon, parfait. Alors. T'es revenu, toi? Mais tu voulais pas des croquettes? Je t'ai remis des croquettes, de l'eau et tout, et t'as déjà fini de manger. Putain. Eh B. Le petit rouleau de PQ à côté du PC. Ah non, c'était pas un rouleau de PQ, c'était un truc pour poil de... Oh, la paire d'as! Oh! Oh, quand Romain arrive. Ah, il va pas l'avoir dans longtemps, mais... Mais pas 8, donc bon fold. Ok, Peter. Bon, on envoie 2.2. On n'est pas là pour se faire chier, on envoie... Eh, vous couchez pas tous, hein. Toi, mets tapis, là. Toi, là. Lui, il est en... Eh, lui, il a 7 blindes restantes. Il peut mettre tapis, hein. Il doit mettre tapis. 7 blindes. Attends, 2 secondes, mon chat. On peut aller chercher des sous, là. Full croquette. Mets tapis, toi. Mets tapis. Mettez tous tapis. Oh, non. Pligno. Envoie le tapis. Frérot, c'est maintenant ou jamais. Il suit juste. C'est quoi ce joueur? Je te mets 3 blindes. Mets tapis! Voilà. T'as quoi? Un 9? Envie de mourir. Oh! L'as qui tombe! Et je le tège! Oh putain, la chatte! Pardon. Non mais ça va, t'as plus peur, toi, tu me connais. Elle fait exprès de venir dans mon studio quand je stream. Elle kiffe quand je crie. Oh, l'as qui tombe! Je suis Chatman! Je suis Chatman! Oi, 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 oi! Oh, Chatman! Chatman a frappé! Incroyable quand vous allez voir ça! Loulox, merci pour le 14e mois! Après, il a été Chatman. Oh, pas Chatman, parce qu'il a hésité avant d'y aller, quoi. Oh, le seum qu'il doit avoir! En même temps, si 9-3-9 quand t'as J9, il méritait, hein. Je pense qu'il méritait. Ouh! Bon! Bon, par contre, à gauche, là, je joue plus du tout. Je commence à me faire manger des blindes, je commence à me faire graille petit à petit. Avec T2, tu dois faire tapis. Tu peux aller chercher son bounty qui rajoute beaucoup d'argent au milieu. Avec T2, c'est quoi C'est 10-2, T2? Là, tout à l'heure, je devais faire... Ah, ok. Là, du coup, en fait, je suis encore bien. C'est juste que les blindes, ça va vite, hein. Il y a que 6 mecs qui se sont fait tège.
C'est très important dans un tournoi KO quand tu couvres d'être agressif. 9-10, j'étais à deux doigts de suivre, mais bon. J'aurais dû. T'es bien joué un peu plus tight si t'es bientôt ITM, joue plus des paires, des mains, faites que des AK, QK, etc. Ouais, on en est loin encore, hein. Mais on en est encore loin, mais bon. Ça a mis bien là, les moves. Oh là, j'ai des mains aussi à gauche. Après, on va pas se plaindre. Ouais, ça met tapis. En fait, t'as l'impression qu'il y a beaucoup de mains qui sont déjà en pusher fold, en fait, sur ce format. Ils en sont où en jetons Non, sur le 100 balles. Oh, 5-7. Que des trucs dégueux. Hein. Je suis où, moi? Je suis 36ème. J'ai pris 33 balles déjà, quand même. Tu vois, t'as des mecs, là, ils ont... C'est 1000, les blindes, ils ont... 10 blindes. T'as 20 mecs qui ont moins de 15 blindes, là. 20 mecs qui ont moins de 15 blindes, putain. 9-2 contre paire de 4. Le 9 qui est touché. Tu vois, lui, il a suivi avec le 9 et ça a suffi, en fait. Dans ces moments-là, faut juste payer parce que ça vaut plus le coup avec le bounty, quoi. C'est ça le truc terrible. Par contre, j'aimerais bien que... As-9, c'est fort. J'aimerais bien qu'on se retrouve dans une... Comment ça s'appelle ? Dans une table à 6, quoi. T'es bien sur les deux tables. Ouais, ça va. Hein. À gauche, ça va vite, en fait. L'as d'une vie. C'est trop, wesh. Bienvenue, la chatte à pape que vous découvrez. Je touche mon as. Qu'est-ce que tu me fais, l'ami ? Je vais l'agresser, hein. C'est trop important les blindes, je pense, à ce moment. J'ai pas envie de tempo, de garder des trucs. Mais oui, bébé, tu es la star du stream. S'il met tapis, j'ai une question, quand même. Est-ce qu'il a le meilleur kicker, quoi ? Il hésite, hein, je pense, hein. Il va pas check. Je le vois pas check, là-dessus. S'il me met deux blindes, est-ce que je mets... Je lui envoie fort. Enfin, je lui envoie moitié de peau. Voilà, il se couche. C'est important, je pense, de stabiliser, de revenir bien. Là, les blindes valent cher. Donc, j'ai besoin de jouer un peu sécu. La chatte qu'il a, la chatte! 32ème à droite, 31. Je pense que c'est pas mal, parce que souvent, j'essaie de garder pour faire grossir. Lui, il est en pusher fold de fou, hein. Ok, ça suit. Je pense que là, il y a une situation de as... Oh là là, ça suit à 3, là. Lui, il peut éliminer 2 mecs, il peut être monstrueux. Lui, peut éliminer tout le monde. Putain, Q9, je serais pas allé, hein. Il hésite, hein. Il hésite. Putain, il y a 44 blindes au milieu, là. 35 000. C'est bien, ça fait de l'éliminer aussi, ça. Le 10, là, à droite. Là, c'est des formats qui vont vite, hein, comme tournoi. Après, moi, j'aime bien. J'ai du mal à jouer les trucs très, très lents. Oh, les deux 10 qui tombent. Ça split. Il hésite à y aller. On a 3 tapis, en tout cas. Il y va. 5 valets, il y va. As-10, As-Roi. Putain, j'avais un carré de 9. T'imagines? J'éliminais tout le monde, là. Et il gagne avec son valet. T'imagines? J'éliminais tout le monde, frère. J'avais un carré de 9. Il a éliminé 3 joueurs. Il a pris 100 balles. Avec son vieux J5. Putain, le poker. Non mais bébé, là, faut arrêter là, j'en peux plus là de... Oh, les Bengals, c'est une ambiance. Hein. 5 valets, il se fait un full avec ça. As-10, As-8, As-3. En fait, c'est l'avantage quand tout le monde met tapis, c'est que tu es à peu près sûr que les gens ont peut-être des As. Et plus de mecs ont des As, moins ils en trouveront autour. Et plus toi, tu peux être fort à côté, quoi. Putain. Ah ouais. Ah ouais, ah ouais. 9-8, espère même pas. Hein. Espère même pas me faire peur. Hein. Sauf si tu fais tapis, tu me feras un peu peur. Mais sinon... Sinon, je vais te manger. Hein. Roi 9, je suis pas assez bien. 9-8, je suis, hein, s'il me met 2 blindes. La question, c'est qu'il a que 15 blindes, lui. Donc, tu dois aller au bout, quoi. Après, là, la question, c'est que 8-9 suité... Non, non, faut pas que... Faut que je me couche, là, si jamais. Ouais, faut que je me couche. Je pense que... C'est une erreur, même s'il est sur un gros kicker. Non.
Monaco qui perd. Sérieux? Maintenant que t'as un plus petit stack et une grosse prime stat, peut-être resserre ton jeu parce que les joueurs qui te couvrent vont t'agresser pour aller chercher ton bounty. Après, je suis pas si mal, hein. Y a lui là qui me mange, mais. Plaisir. Oh, la paire de rois. Oh, le feu. Viens, mais tu veux quoi? Des friandises? Viens, viens. Un tas de friandises et elle mange pas. Allez, du tapis là, du tapis. Je couvre tout le monde, je le couvre lui. 0,5 en plus, je le couvre. Je couvre tout le monde. Allez, paire de rois, ça envoie le tapis. Ça suit, hein. Ça suit. Est-ce que la chatte va être là? J'avais de la chatte avec les dames. Est-ce que j'en ai avec les rois? Roi, ça hésite pas, hein. Là, c'est... Ensuite, tu gagnes, tu perds, ça c'est la vie, mais... T'envoies tout ce que t'as. Et peut-être pour grossir, roi-dame, pas de dingues. Ça va au bout. Ça va au bout. Et ça élimine. Il avait 56 euros de bounty. Oh, j'ai quasiment rentabilisé déjà mon event, là. On est d'accord que j'ai pris 56 plus 30 là, non? Et valait 10. Je suis 17ème sur 76. Oh, ça va vite, hein. Putain, la pression, le cœur qui bat. Hein. Allez, 2 points de blinde. Allez, je m'impose là. Comme un pilier. Je suis un pilier là. Dame. Je suis un pilier, moi je vais miser. Ah, il mise déjà, bien joué. Je vais tempo. J'aurais misé pour mettre... Mais je suis trop con, c'est Monaco contre... C'est pas du tout là. C'est qui le GFA? Ah mais c'est Rumili. Ah oui, je suis trop con. Oh, ça serait une belle histoire qu'ils aillent en finale. Je pensais championnat, moi. Mais c'est pas du tout maintenant. Bon. Combien de places payées pour le tournoi? Alors, je vous fais ça si vous voulez. Là, il y a... Donc le tournoi à droite, il reste 283 joueurs. Les places payées, c'est à partir de 119. 119 joueurs où tu commences à prendre 41 balles. Donc tu gagnes 11 balles. Après, on a déjà gagné des sous grâce au bounty. Et l'autre tournoi, il y a 41 places payées. Donc c'est encore 35 joueurs. Et tu gagnes 52 euros de bénéf direct. Si t'avais suivi, les 3-9 n'auraient pas été là. Le carré de 9, il faut pas... Quand tu suis pas, il faut pas te dire que t'aurais eu ce qui tombe. Oh, le mec, il touche la couleur. Un cœur. C'est bien payé. Heureusement pour lui, c'est bon. Il peut survivre. Dame, as, as, ici. Ah, pardon, je suis surexcité, là, du coup. Il y a eu beaucoup d'émotions d'un coup. Les 9 seraient pas tombés si t'avais suivi. Bah, tu sais pas, mais... Sûrement pas, quoi. Là, ça commence à pas mal se charquer la gueule. Hein. Parce qu'en fait, le truc, c'est que les mecs... Ça, c'est le 50 balles. La paire de deux. La paire de deux au bouton. Sept, huit... Voilà, lui, mes tapis, ça m'emmerde, ça. Je vais envoyer 2,2 blindes, là, avec ma paire de 2. As-Valet contre 3J. Le roi qui tombe. Le 10, c'est la suite. Ça all-in, ça dégage. Et le mec est énorme. Je suis à une autre table. Est-ce qu'on est bien ou pas à cette nouvelle table? 39 blindes. Oh, il y a un mec à 0,17. Oh, on a une prime qu'on peut aller chercher gratos. Putain, il m'emmerde, l'autre. Non, mais il a beaucoup trop, lui. Il a beaucoup trop. Et je couvre pas tout le monde. Ouais, la paire de deux au bouton, je me suis dit bon pourquoi pas. As 10, c'est bien ça. Allez, deux blindes. Est-ce que j'ai envie de le relancer? Je pense qu'on va suivre. Hein. On a tous les deux un gros bounty sur la gueule. Ça peut donner envie, ça aussi. Hein. Ça peut donner envie. Hein. L'algorithme change à chaque prise de décision de chaque joueur selon le temps qu'il prenne et la décision qu'il prenne. Ah, ok. Ça commence pas à nous mettre un tapis, toi, de sortie de nulle part, là. Oh, le full. Enfin, le full, le... Je dois agresser, là. Sur le brelan de 10. Ça réélimine, je suis switché. 3 blindes.
J'ai pas envie qu'il y ait un pic là. Un petit carreau, ça me mettrait bien. Je vais bien évidemment suivre. C'est à lui de parler derrière. C'est parfait, le carreau. Je suis sur un brelan où c'est quasiment impossible. Il check. Tu te doutes bien, mon frérot, que je vais pas te laisser check. Je vais te mettre 5 blindes à nouveau. Il va se coucher, je pense. Il va pas suivre. Ah, il suit. Et je le fume. Et du coup, ça me met bien. Parce que je reviens sur lui, là. On est à 1200 sur les blindes. Je monte 12e sur 69. C'est bien, on est bien, là. On est bien. Un partout, Monaco. Oh, non. Je suis très bien servi, là. Hein. J'ai des bonnes cartes. J'ai un peu de chat. Beaucoup de chat. Merci pour le 57e mois. Mais vous savez, j'ai fait un tournoi. J'ai fait pas mal de tournois, là, dimanche, notamment. Et honnêtement, j'ai perdu peut-être 400 euros. J'ai perdu, je crois, 400 euros dans la journée. Parce que j'ai fait des tournois assez gros. J'ai fait un tournoi à genre 200 balles, je crois. J'ai perdu 500 euros même, je pense, dans la journée. Et j'ai rien gagné. Et j'ai eu que de la merde. Donc, là, je vais mettre 3 blindes. Hein. Je veux récupérer son bounty à lui. Hein. C'est quoi, je mets tapis. J'ai As-Valet. Je veux récupérer son bounty. Si quelqu'un me suit, je suis prêt. Et j'ai paire de 5. Oh, il a un brelan. Oh là là, c'est pas de chance. Mais je pense que c'est ce qu'il fallait faire. On perd rien. On perd 0,5 blindes, honnêtement, on s'en fout. C'est pas vraiment gênant. Mais je pense que c'est ce qu'il fallait faire avec As-Valet. Pierrot, merci pour le prime. Et Nate aussi pour le 6e mois. La banquise pour le 3e mois. Et du coup, je me suis dit, comme j'ai aucune chat ce dimanche, j'espère qu'en live, j'en aurai. Et là, j'en ai un peu. J'en ai même pas mal, donc du coup... Là, les joueurs, vous avez les infos là en haut, hein, sur chaque table. Je sais pas si c'est très clair, mais... Lui, il est bien. Hein. Je suis face à un mec, là. Oh, la perdasse. Arrête, frère. Non, j'ai full chat, pardon. Pardon, j'ai menti. J'ai full chat. J'ai dit que j'avais un peu de chat. Oh, j'espère qu'il suit, lui. De blindes. Allez, paye. Oh, la non-chat. Je sais pas si je dois... Là, je sais jamais, ça. Je sais pas si je dois relancer ou... Je mets 7 blindes. Je sais jamais, ça. C'est sûrement une erreur. Il va se coucher. C'est bête, pardon. Je sais pas les jouer, ses mains. Je dois le suivre, juste. Mais j'ai peur de value, et souvent, les as, ensuite, ça fait des dingueries. Et donc, je me dis, bon, bah, si je relance pas assez... Mais en même temps, à chaque fois que j'ai joué les as... J'ai envie de mettre 2,5, quoi. 2,5, on voit si je suis suivi. 8,9, faut que j'aille le chercher, ça, son truc. Lui, il va peut-être mettre tapis, lui. Ouais, ce bâtard. Je perds 2 blindes dans le coup. Je perds les 2 blindes que j'ai gagnées à côté, quoi. C'est con. Je perds les 2 blindes sur les 2 as que j'ai gagnées. Mais du coup, à chaque fois que j'ai misé, genre, j'ai essayé de 3 bêtes. Donc, c'est-à-dire relancer sur un mec qui a déjà relancé. À chaque fois, j'ai perdu le coup. Enfin, dans le sens, les mecs se sont couchés. Donc, ah, dommage. T'as l'air d'avoir vachement progressé depuis la dernière fois que je t'ai vu jouer. Bah, je joue un peu. Après, là, j'ai hâte. Dans 2 semaines, je pense pas ce jeudi d'après, mais jeudi encore d'après. Je ferai un tournoi. Bah, je préparerai, je pense, une soirée poker, peut-être qu'à une table, pour discuter un peu avec You, du coup, commentateur ancien pro, histoire de comprendre les quelques coups, parce que là, il y a des gens qui s'y connaissent bien dans le chat qui m'aident aussi déjà un peu. Mais pour aller un peu plus loin, tu vois, dans la compréhension et tout. Bon, 14 sur 64 à gauche, 76 sur 230 à droite. T'aurais pu mettre un peu plus cher sur le... Ouais, j'aurais pu value plus, peut-être. As-Roi, putain, c'est insane. Bon, le mec a été éliminé, hein. Tu peux cacher tes cartes même quand c'est payé. Tu veux me suivre ? Oh là là, arrête, j'ai un brelan d'as, frère. Il se passe quoi, là? C'est trop. J'ai un full. C'est trop. Que fait ma meuf? Oh, c'est trop. Oh, c'est trop. Lui, faut que je lui gratte des coups, là. Oh non, mais c'est insane. Putain, mais merci la soirée, la journée de merde dimanche. Je suis resté en calbut à mater Bureau des Légendes. J'ai eu que des bad beats, que des dingueries que j'ai pris. Oh, merci. Allez, relance, il va check. C'est une petite couille, il va check, lui. On le connaît maintenant. Il va check là-dessus, il a voulu me faire passer.
Ouais, je te connais, frère. Enfin, c'était un moment où on a déjà joué avec toi, quoi. 2-1 Monaco. Voilà. C'était le bon move avec AJ, ok. Il va se coucher, je pense. Il me suit encore. Je dois mettre plus, là. Peut-être que je dois mettre un peu plus, hein. Pour asseoir ma domination. Chap. Là, j'ai deux mecs qui sont low. Hein. 7 blindes, 12 blindes. 5 blindes ici. Dame 9, ça met tapis, ça. Hein. Je vais suivre, dame 10. Non, il y a un problème. Il y a un problème, no joke. Je gagne ce tournoi, en fait. Je peux pas le perdre, ce tournoi. Avec ce que j'ai. Ça met all-in. Tout le monde met all-in. Mais moi, j'ai dame 9. J'ai envie de... Je mets all-in aussi à droite. Je fais n'importe quoi. Dame, dame, as 10. 9. As. J'ai fait n'importe quoi. À droite, j'ai fait n'importe quoi. Attention au carreau quand même là. Hein. Jusqu'au là avec tes as. Non mais c'est n'importe quoi. Je mets moitié de peau. Elle se couche. Général fait x4 hors de position et x3 au bouton. Non mais là on a vraiment genre... je vais plus rien avoir derrière les potes. Hein. Bon à droite j'ai vraiment int par contre. À droite, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai vu des blindes pas si chères comme tapis. Et je me suis dit, et pourquoi pas, tu vois. Je me suis enflammé. Faut le dire. 119 places payées. Il faut encore 100 éliminer. KJ contre DJ. All-in pour l'autre. Oh, il touche la couleur sur la dernière. Oh, Charlie Charlotte qui va être au bout. Qui va bientôt nous envoyer son tapis, là, on le sent. C'est qu'une question de seconde. Oh, Dame Roi, mais ah, c'est insane. Ça vient de tous les côtés, là. As-4. Le truc, c'est qu'elle va envoyer tapis. Non, elle va pas envoyer tapis, il y a trop de monde. Je mets tapis à droite, avec Dame Roi. Elle va envoyer tapis. En se disant qu'elle va pouvoir récupérer, mais c'est pas si cher son tapis, donc peut-être une erreur, ça dépend de la main qu'elle a. Ouais. Et là, je suis dans un coup où forcément, il y a un mec qui a un as avec un meilleur kicker. Donc, il n'y a pas d'intérêt à jouer ça, là. Je pense qu'il n'y a pas d'intérêt à jouer beaucoup plus dans ce coup. Je peux essayer de mettre une presse. Je sais pas, de me dire que je suis quelqu'un à cette table. 4 blindes et demi. Et là, il n'y a que les grosses couilles qui vont suivre. Voilà. Là, il y a un mec qui a une dame, là. Putain, je pense que ça faisait coucher tout le monde. Lui va se coucher. Après, parce que l'autre a suivi aussi. Ah non, comme quoi. Juste pas bien joué. À droite, ça a touché. Enfin, j'ai gagné. Il envoie tapis. Il a dame 10, je pense. C'est mal joué. J'ai perdu 4 blindes. 3 agressifs. On se reconcentre. Tout va bien. On se prend pas non plus pour le parrain de la mafia. Oh, j'ai dame. Allez, bouffez 9 blindes un peu, là. Goûtez un peu à mes 9 blindes. Elles ont quel goût? Elles ont quel goût, ces blindes? Petite question. Sinon, je prends 5000 à peu près, si personne y va. Voilà. Ça valait le coup, je pense. Je pense que je prends un bon coup de... Je prends 4 blindes, 5 blindes, plus les antés. Je pense que c'était un bon coup. Valet 10, en fonction de si ça relance ou pas, je peux mettre tapis. Hein. À 15 blindes, je sais pas trop. Tout va dépendre des autres. Lui va mettre 2, lui. À 6, ça commence à être chiant à jouer à ça. Hein. Faut rester frêle. Hein. Faut rester vif. Ouais, lui, il met tapis. Je vais pas y aller, du coup. All-in. Je pense que j'y vais, je paye. As-6, qu'est-ce qu'il y a en face? As-2, allez, pas de 2. Il y a un 2. Un 4, un 3. Un 3! Et je la sors, parce que j'ai le 6 et du coup j'ai la suite. C'est incroyable! J'ai une chatte, je n'ai jamais... Mais c'est incroyable! Et j'ai repris 45 balles, elle avait un bounty de malade! Mais je suis le mec le plus chatteux du monde. Ce qu'on assiste ici, c'est fou!
la journée de dimanche, mais je la bénis. J'ai eu envie de mourir à quelques moments de la journée, parce que je me disais, putain, mais qu'est-ce que je branle de ma vie en peignoir, en calbut, là. Oh, yo, yo. Rafale, merci pour le sub. Pas ouf, le Dame 9. Non, non, mais oui, c'était pas à droite, c'était nimp. Mais là, j'avoue que je suis pas mal concentré à gauche, quoi. Quatrième sur 52. Et je sais pas combien d'argent j'ai déjà pris. Ne mise pas mi-pot à chaque fois, tu as quelque chose. Ouais, je fais souvent mi-pot, et en fait, parce que j'ai pas le bon... Je crois que j'ai pas les bons setups, en fait. Dame 10, j'envoie tapis. Au moins pour récupérer les blindes. Lui, l'autre, je le couvre si jamais, donc c'est... Ça se tente, si jamais. Ça peut récupérer. Non, ça récupère juste des blindes. Bien joué, je pense. Dame 2, ici. Felipe. J'ai pas envie de le laisser vivre. J'ai envie d'être agressif comme ça. Voilà, je récupère de la blinde. Allez, là, on est dans une strat où je suis bien. Je fais partie du top 10% là pour l'instant du tournoi. C'est quelque chose qu'il faut assumer. Cinquième, pour vous donner un ordre d'idée du tournoi. Bon, là, on va pas finir cinquième. Hein. Mais cinquième, ça serait 1000 balles, là, tu vois. Sur le tournoi à 100 balles. En dehors des bounties hein, que tu récupères. Tu joues trop de mains. Ouais, je joue beaucoup trop de mains, là. Mais bon. En même temps... À 4, faut pas bluff. Ouais, non, c'est vrai, c'est en tête-tête ou limite à 3. Non, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu vois, je touche des as. Je touche des as, je joue mes as. Hein. Mais c'est vrai qu'à 4, j'aurais jamais dû bluff. Hein. Perso, je pense que tu étais sûr que sur la table de gauche, du coup, à droite aussi. Ouais, non, mais de fou. J'ai une gestion des émotions qui est négative. Là, faut vraiment l'appeler. 3 blindes. C'est bizarre qu'il limp le mec en fait. Je touche le 9. Je vais prendre le temps pour passer. Tu veux trop dynamisme. Ouais, mais en même temps, je touche des as à chaque fois. Tu sais, je joue pas non plus des valets 5 quoi. Je check. Le 10 à nouveau, j'ai un bon kicker. Je vais envoyer un petit peu de. Je vais envoyer 4 blindes. Hein. Il suit, il a quelque chose. Je check, il a quelque chose. Qu'est-ce qu'il a? Il a une paire de 7. C'est bien joué. Rien à dire, il serait pas couché. Le 4 blind, comme d'hab, on essaie de faire coucher le mec, qui au final ne sert à rien. Je vais peut-être apprendre un jour. Mais pas maintenant. Bon, attention, hein, quand même, encore une fois. Après, je suis quand même très très bien, 51 blind, mais on fait un peu le beau. On fait le beau. C'est pas une bonne attitude. 171e, ça serait bien de gratter des places payées à droite. Hein. 119e. La chatte. Ah non, mais c'est stratosphérique. Hein. Je vous le dis, c'est vraiment stratosphérique. Il va y avoir une pause juste après. Ah bah la pause, c'est maintenant, justement. Enfin, quand toutes les tables auront terminé. Oh, yo, yo, yo. Putain, l'enchaînement, là. Bon. Tournoi de gauche. Je suis... Non, ça, c'est le tournoi de droite, ça. Tournoi de droite, j'ai quand même pris 36 balles hein, de prime. À droite, j'ai pris 36 balles, hein, donc... Donc bon, j'ai joué agressif, tout ça, et ça valait pas mal le coup. Hein. À 50 euros l'entrée, j'ai éliminé deux mecs. Hein. Deux mecs pour 36 balles. Après, j'ai recave, donc je suis encore à moins 64. Et ici, je suis à 135 euros. Donc là, je suis déjà à plus 35. Donc ce soir, j'ai lâché 200 balles, et pour l'instant, j'en ai rentré 135 plus 36, c'est-à-dire que je suis à 171. Je suis à 171, donc je suis encore à 30 euros down. Là, le but, c'est pas d'aller down, ça va être de monter. Hein. Il y a des mecs qui sont monstrueux. Pas de patte. Pas de patte le français. Oh, je suis le deuxième français du tournoi. Il y a Francky aussi. Il y a quelques mecs. Et il en reste plus que... Il reste combien de joueurs? Il reste que 48 joueurs. On est bientôt dans les places payées. Encore 6 joueurs. 7 joueurs. Et on est dans les places payées. Et je reprends 151. Hey, on a moyen de faire quelque chose de beau là. On a moyen de faire quelque chose de beau les gars. Ah là, honnêtement, tu n'as pas pris 45, mais la moitié, car l'autre moitié va dans ta cible. Ah. Donc là, j'ai pas 135. En fait, j'ai 65. C'est ça. Et le reste est là. Non? Et oui, parce que je commence à 30. Donc en fait, j'ai que 65 qui vient dans mon compte. Là, j'ai pris... Non, je me suis trompé dans le calcul. J'ai 65 qui vient dans mon compte et... Là, j'ai 17 qui vient dans mon compte. Parce que le reste, là, j'ai 90 euros sur ma gueule. Donc, si je vais au bout
Oui, mais sinon, t'enflamme pas, paix à la tête froide. Ah ouais, tranquille. Là, j'ai eu énormément de chance, hein. Donc ça va sûrement tourner. Il va falloir jouer des mains moins folles, quoi. Et les mains moins folles, faut pouvoir les gérer. Il est en train de... C'est un marathon, PA Focus. Je vais me faire un petit café, ok? Eh, on est bien, c'est excitant. Full chat, mais j'ai trop envie, là, de me faire coacher. Parce que, tu vois, il y a... c'est difficile, parce que là, on peut pas analyser ça. J'ai eu des coups de dingue. Mais je joue pas mal. Tu joues trop, juste suis. Ouais, je veux trop faire le jeu. À gauche, là, j'ai trop voulu faire le jeu, je pense. Et trop voulu imposer. Ce qui m'a coûté des 4 blindes. Et la blinde, elle est à combien, là? On le voit plus, mais la blinde était à 1002, je crois. Ouais, c'est ça à peu près. 1000 de la blinde, je fais un cadeau de 5000 balles, quoi. Je l'ai fait deux fois, j'ai donné 10 000. J'ai 71 000. C'est l'erreur. Tanoukis, merci pour le resub. Merci à ceux qui continuent de sub. On est toujours au-dessus des 9000 subs. Merci la MIF pour les primes. Si vous en avez qui sont pas lâchés, ça part. On est où là? Je suis en plein jambon. Oulala. Je suis en jambon café, ok. Faut que je ramène mon cul. Merde, j'ai envie d'aller pisser. Et vous, madame, qu'est-ce que vous faites ici? Oh, j'arrive. Ok, j'ai loupé un truc. J'ai rien loupé, putain, j'arrive pile poil. Magnifique. Il me reste de l'eau ici. Eh bé. Ça fait plaisir. Kiffant de ouf ce stream poker, ça fait plaisir de revenir en disant ça. Non, t'as 135. Ah non, j'ai pris 135 du coup. Ah ouais, donc non, c'est pas moite-moite quoi. Oh. Bidibule, merci pour le... Pour le prime. Bon, tournoi de gauche. 7 places encore. 7 left. 7 left. Avant les places payées. Asda. Ah, mais aussi, c'est... Il y a un moment où, bon, je... Je sais pas, moi, je joue, quoi. Et puis... Je vais pas faire le jeu à tout prix. Je suis juste. Je touche l'as. On est en détente. On est en détente, je passe à gauche, à droite. Du coup, je vais devoir push or fold quasiment, là. Ça check. Attention au tirage couleur. Magic Pillow, 15 mois de sub, merci. Il envoie une blinde 6. C'est pas beaucoup. On prend notre temps, on se précipite pas. On se précipite pas là, c'est important. Le roi... Roi pique qui met pas mal non plus.
Je prends mon temps. Après, je prends mon temps quand j'ai des trucs aussi. Hein. Quand j'ai rien, je me couche. Hein. Normal. 6 blindes. Qu'est-ce qu'il peut avoir? Je le vois pas sur des tirages couleurs. J'ai un As avec kicker fort, il peut être sur As-Roi, quoi. S'il est sur As-Roi, il me la met dans le cul, hein, on va pas se mentir. Double paire avec kicker dame. Il peut avoir un full. Je pense qu'il va me mettre tapis. Ah, il peut avoir un roi de plus, hein. Je vais checker dans la continuité. Il va check aussi. Je suis con. C'était de la value. Je suis bête! Ces moments-là, je sais pas les jouer. Mais ça continue. Ça continue, au moins on le perd pas le coup. Mais c'est dommage, je value pas bien. Là, c'est le moment où je dois peut-être go. Je dois peut-être lui mettre son tapis. Je sais pas. Mais je passe quatrième, en tout cas. Ah, c'est bête, c'est bête. Ça, tu vois, typiquement, avec le coach, savoir quoi faire dans ces moments-là. Ces moments-là, il m'arrive tellement de fois. Le truc du check, il passe tout le temps. Peut-être un check-raise, le move d'avant. Le check-raise, le move d'avant, ça pourrait, hein. Ça pourrait peut-être, ouais. Ouais, peut-être. Il me reste quoi? Il me reste 50 personnes. Hein. 40 personnes à tèche à droite. Roi 7. Non, je vais chill quand même. Je vais chill. On va chill un peu. Ah, la value fait mal. Encore As-Dame, mais c'est pas croyable, putain. C'est pas croyable. Enfin, je vais pas me plaindre, hein. Paire de 10, ça va envoyer tapis à droite. Là, ça va envoyer tapis. Il y a déjà un mec qui a mis tapis, je le couvre. Est-ce que quelqu'un d'autre veut mettre pour histoire de le payer? Paire de 10, contre As-Valet. Allez, ça tient. Ah, ça tient pas. 10? Ça tient pas. Ça tient pas, il me reste 5 blindes, je suis pas éliminé. Mais bon, c'est normal. C'est ça le poker, on peut pas non plus être que en full chat. J'étais un peu devant lui. Je finis derrière. Je suis pas encore fini. C'est normal, c'est ça aussi. Hein. J'envoie 2,5 blindes là, sur un As-Dame. Sur un As-Dame assez... assez logique. J'agresse beaucoup, donc... ça me bute. J'ai vraiment dit le truc genre en mode sur un dame sur un as dame, assez logique. Je sais pas pour qui je me prends, mais ça me plaît. As-7 contre As-Roi. Et non, une blinde. Il y a deux mecs qui sont très weak. À droite, là, ça va être vraiment compliqué. Hein. À droite, là, j'ai 5 blindes. Heureusement, c'est du 8 max, donc ça tourne pas non plus si vite que ça. Mordex, merci pour le prime. Oh, le toxique. L'enfer du man. 2 et 5, on va se coucher. J'ai un peu de temps devant moi, mais bon, les antés vont quand même me tabasser. Hein. 4000, c'est combien les antés du coup? 250 ouais. Ça arrive, là. Ça arrive. Bon, de toute façon, là, le gros tournoi, c'est à gauche. Hein. À droite, on va essayer de rentrer dans les places payées. Ça peut être sympa si jamais on arrive, mais ça va être dur, hein, les places payées. Hein. Là, va falloir que j'all-in, que je double une fois. Ça va être très, très difficile. Fallait bet, beaucoup plus de value à prendre et il a pas de roi dans sa range. Quand je check, là, ouais, ok. C'est 2000 les blindes, du coup, vu que tu suis jamais la petite. Check call, laisse le bluff. Ok, bah c'est ce que... Oh, j'avais une suite. Bon, après ça, c'est toujours le... J'avais, on peut pas vraiment savoir. Fallait tapis, bro. À toute fin, ouais, tout à l'heure, j'ai hésité. Je pense qu'il serait couché aussi, là, le mec, donc... Là, on est trop en pression du... Là, en fait, je pense qu'il va y avoir un truc où on est bientôt aux places payées, hein. Et tu prends pas mal de thunes quand t'es place payée. T'es 150 balles. Donc tu rembourses ton tournoi plus 50 balles. Donc les mecs vont vouloir se coucher. Hein. J'ai dans l'ensemble deux fois le tapis de tout le monde là, minimum. Donc. Frérot, je suis premier avec 100k d'avance sur le deuxième. Genre que j'ai pas joué courage. Raise le K à la turn pour prendre l'info, PA. Ouais, c'est vrai, comme ça je sais si je check ou pas. Enfin non, parce que. Ok, ouais. Je dois miser. Tu peux pas trop bête, c'est l'initial riser. Gustavo, merci pour le quatrième mois. Hein, mais ça, souvent... souvent, je manque un peu de ça, ouais. Bon. Du coup, pour nos histoires, il nous faut 5 morts encore.
Après, bon, pour l'instant, je suis quatrième, hein, donc... Dame 10. Je suis UTG, j'ai pas envie de la jouer, celle-là. J'aurais pu, peut-être, mais j'ai pas envie. Je m'écoute. Je m'écoute, je me précipite pas. J'ai pas envie, j'y vais pas. 3,7 blindes, de toute façon, tout le monde va vouloir me go, là. Trop de belles mains, PA, c'est relou. Ah ouais, vraiment, là. Alors, du coup, ça fait un bon stream, quoi, mais... Parce que c'est vrai qu'il y a les tournois où juste tu prends dinguerie sur dinguerie. C'est moins plaisant. Putain, j'ai chaud, par contre. Change pas de sizing selon la force de ta main. Ouais, là, c'était bête, en vrai. Tout à l'heure, quand j'ai eu As-Dame, ouais, c'était bête. Putain, les flops aussi, frère. Content de pas être dedans. Hein. Je parle exactement comme Yovian. Bah après, dès que le poker, j'avoue que... Non, mais je sais pas, moi, je suis un wannabe, mais... Là, c'est beau ce qui se passe, c'est beau, quoi. Bon, ça, ça part en tapis roi 10, hein. Ça part en... C'est Yovian, le coach. Non, ça va être You... L'ancien joueur pro et commentateur Poker Stars. 45, plus que 4. On n'a pas envie d'un changement de table. Hein. Laissez-moi, me mettez pas avec un giga gros. 10-3. Les blindes ont réaugmenté. Je vois les blindes, là, ça va être important. Là, parce que les blindes, il y a des mecs qui sont en train de crever. Hein. 4000, 9000. Là, il y a un mec, il a 2 blindes. Lui, il en a 4. Et ensuite, là, les 3, là, ils sont pas bien. Et ensuite, ouais, c'est... du 20 000. Oh, ça joue all-in là-dessus. Ça tape un gros all-in, ça va se coucher. Ça m'a suivi en all-in là-bas. Il va aller chercher mon bounty. Dame 9 contre Roi 10. Allez, pas de carreau. Oh, le carreau. Eh ben, c'est le jeu. Eh, c'est le jeu. Oh là, triple all-in là. Paire de Broland 6 ici. Oh, il a perdu sur le cœur. Le dernier cœur qui permet à ne... Négrerie là de... Oh, pardon. Oh, mais quel enfer son blaze, j'avais même pas capté. J'avais même pas capté, putain. Mais bref. Terrible, ça. Ah non, terrible, putain, je suis... Parce qu'il y a un joueur pro de poker qui s'appelle... Il s'appelle comment? Ouais, Daniel. Ah ouais, c'est terrible. Hein. Ça bait, hein. Putain, je te mets 3 blindes dans ta gueule, toi. 3 grosses blindes dans ta gueule. Bon, du coup, éliminé à droite. Hein. Pas de place payée. Coup dur. On n'est plus que sur une seule table. Faut mettre la pression sur les stacks moyens. Voilà, il a relancé. Je vais aller au tapis. Hein. Oh putain, mais il est dégueulasse cette scène là. Attends, cette scène est absolument dégueulasse là. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que tu m'as fait, Romain? Je le suis. Hein. On va tapis, hein, paire de valets. Paire de valet, c'est maintenant ou jamais. Hein. Il a paire d'as. Oh non. Putain. Et là, c'est la sauce. Putain, c'est l'autre, là. Il m'a fait faire n'importe quoi. Après, pff. Il met tapis, j'ai paire de valet. Je suis bien obligé de suivre. Hein. Mais par contre, je chute 18ème sur 42. Aïe, aïe, aïe. Pff. Ça, c'est dur, ça. Là, c'est coup dur, là. Là, c'est coup dur. Putain, plus qu'une place et c'est les places payées. Aïe, aïe, aïe. Comment vas-tu en cette belle journée? Très bien, et toi, Rosaline? 3,7, big blind, faut resserrer à mort, la range de push, t'as plus aucune. Ouais, bah à droite, c'était le go, quoi. Mais par contre, attends, comment je vais faire cette scène, là? C'est terrible ce qu'il m'a fait en fait. Ah non, mais ça c'était à l'ancienne, attendez. Du coup, je vais récupérer. Paire de valets, je dois pas y aller. Si, je dois y aller, je pense. Je vois pas le monde où j'y vais pas. As 10, As 10, ok, il se safe. Ah, attendez 2 secondes. Yeah, je pense qu'il y a aucun monde où j'y vais pas avec paire de valets. Juste, il me chope une paire d'as. Bah voilà, hein. J'ai eu de la chance toute la soirée. Ils ont bien le droit d'en avoir un peu. Hein. Un dernier mec. On n'est pas en main par main là alors qu'on est.
Non mais tu m'as envoyé la même scène, frère Romain. Oh, il a int Romain, putain. Romain, il a int hardcore. Ah, vous savez quoi, du coup, je vais vous mettre ça. Ok, comme ça, je vais vous mettre les infos de... Je vais vous mettre les infos ici. Prochain jeu est main par main. Ouais, parce que là, c'est la bulle, là, du coup. C'est en gros le dernier avant de... Je vais vous faire comme ça, je pense. Ok. Non, mais du coup, il faut peut-être... Ah oui, vous réagissez par rapport au pseudo du mec. Non, non, bah c'est tranquille, c'est le pseudo du gars, donc c'est pas genre un truc volontaire ou quoi, mais... Quel dingue. C'est dingue qui... Bah du coup, on va peut-être lui demander à ce qu'il se fasse ban. Après, c'est... Fonction des langues et tout. Vous voyez là? Ok, vous voyez à peu près, ouais. Vous voyez à peu près. Pour l'instant, je suis 17, du coup. Putain, là, c'est paire de valets contre paire de... Ça va pas bien. Bon, j'ai galéré pour les scènes, en plus. Bon, ça, c'est main par main, du coup. Donc, toutes les tables, là, les 42 joueurs, on va jouer main par main jusqu'à ce qu'il y ait un éliminé pour qu'on rentre dans, dans les places payées. Et que, du coup, on rentre dans, dans la cash money, quoi. Sur, sur l'autre tournoi, du coup, j'ai fait 2 x 50 €. Et les 2 x 50 €, je les ai perdus. Donc, j'ai lâché 100 balles et j'avais récupéré 39, je crois. Donc, je suis à moins 70. Là, j'ai déjà 135 € de récupéré. Je suis le deuxième mec qui a éliminé le plus de gens sur le tournoi. Tu vois pas combien t'en as éliminé? On voit pas combien de gens on a éliminé? Rien à faire, c'est un setup. Faut rester bien mentalement. Donc là, on attend. Et le dernier, il a 6000 blindes. Il y a un mec à 6000 blindes. C'est pas 6000 blindes. 6500 jetons, 5000, 7000 jetons. Pardon, ça m'a perturbé, il se passe trop de choses. Donc les mecs ont 2 blindes. 2.2 blindes. On est encore dedans. Il y a des moments où il va falloir envoyer boîte. Il faudra réagir. Ok. C'est un bon call. Ouais, faut rester dans cette idée, quoi. Faut rester dans cette idée et pas... Attends, il y a le français, là. J'espère que le français, il va... Il va tenir. As 6. 19 blindes, ça a monté. Oh, l'autre, il me relance. Le truc, c'est que j'ai plus que 18 blindes. J'ai pas envie que ça soit moi qui me fasse... J'ai pas envie que ça soit moi qui me fasse tège, hein. Ah, lui, il a une blinde. Ah, mais si, il est à ma table, en plus. Ah, il va go. Il hésite. Il hésite. Oh. T'as une premium, c'est bien d'y aller, mais au vu du fait que t'as juste les places à en payer, faut peut-être passer. Voilà, tu vois, si j'aurais pu suivre ou... 18 blindes, c'est chaud, hein. T'as Manu, faut qu'ils tiennent, hein. Là, leurs stacks, ils vont fondre, au mec. Ah, vous voyez pas, mais... Pardon, je vous ai pas montré. En gros, là, Manu a 4996 et Albert, l'espagnol, a 5500. Et c'est coup par coup. Ah, c'est place payée. C'est un autre mec qui a choke. C'est ni Albert ni Manu. Monsieur, félicitations. Nous sommes désormais en place payée. Oh, valet 10, j'hésite. Hein. Lui, il va y aller. Valet 10, ça... Non, faut pas commencer à tilt. J'ai mon jeu à jouer. J'ai mon jeu à jouer. Faut pas commencer à int. Lui aussi, il attend. K5. On va tempo. Là, du coup, c'est 150 balles. Ah, vous voyez pas ça non plus. C'est de la merde ce que je vous ai fait, en fait. Hein. C'est de la merde. C'est concrètement... Peut-être si je réduis. Non, c'est juste de la merde. Hein. Bon, faut pas avoir peur de se le dire, je pense, hein. C'est juste de la merde. Voilà. En fait, c'est un choix, quoi. Là, en l'occurrence, c'est de la merde, mais en gros, du 30 au 41e, c'est 150 balles. Ensuite, c'est 185.
8-7 contre 4-7. Ça tient. Enfin, lui, il a payé avec 4-7. Hein. Ah, on va tempo, il y a beaucoup de gens sous nous, quoi. Déjà plus que 38, ça va s'effondrer petit à petit. Il va falloir envoyer un tapis à un bon moment. Là, t'as envie que le mec, il clean tout le monde, quoi. Et qu'on se retrouve sur une nouvelle table. As-10, As-6, As-3. Oh, le 10 qui touche, il a une chatte, lui. Ah, il élimine les deux. Ah, lui, il passe premier, non? Il est cinquième. Je suis sur un truc où il y a déjà un mec à tapis. Il y a un mec que je couvre. Il y a deux mecs que je couvre. Deux mecs que je couvre. Ok, là, ça commence à tirer dans tous les sens. 33 mecs restants. Je prends 185 balles à partir de la 29e place. Putain, oui, je devrais enlever ça. 8-6. Oh là là, ça tire dans tous les sens. Ok, ça se couche. Le mec à ta gauche ne joue que quand il a des grosses mains paires. Voilà. Putain. Et en même temps, j'ai eu tellement de chat au début que là, je vais commencer à pas avoir que des premiums, quoi. Il va falloir envoyer un tapis à un moment ou un autre. Hein. Va falloir envoyer un tapis, là. Putain, ça envoie deux blindes alors que... Putain, j'ai 90 balles de... Ils vont tous vouloir me go. Hein. Ils vont tous vouloir me go à 90 blindes. Oh, 90 euros de bounty. Fallait défendre ton A6. Ah, mais comme il était juste avant les places payées, tu vois, j'ai eu la flemme qu'on ait fait tout ça et qui est juste une dingue, c'est être en mode. Je suis une grosse merde. Lui, il a go. Pff, ça commence à être chaud là. Je suis pas loin d'envoyer tapis avec 10-6. Ah, mais ils vont avoir envie de suivre aussi. Hein. All-in pour fêter ça. 33 joueurs toujours. Alors, comme j'étais au bouton, je me disais pourquoi pas. Bon, en tout cas, place payée sur un tournoi à 100 euros, ça fait plaisir hein, quand même. Hein. Déjà, on peut être content. Après, là, ça va vraiment dégoupiller, quoi. Là, les blindes remontent. J'ai plus que 13 blindes. Paire de 9. On envoie. Faux ! Sauf s'ils mettent un tapis direct. Laisse-moi vivre. S'il te plaît, laisse-moi vivre. Couche-toi. Laisse-moi vivre. Laisse-moi vivre. Laisse-moi vivre. Laisse-moi vivre. J'envoie tapis. 13 blindes. Paire de 9. Il faut pouvoir go. Ça me suit. Je le couvre si jamais. Allez, suis aussi, tant qu'à faire. On prend tout le monde avec nous. Lui, il me couvre aussi. Ça se couche. Oh, il a quoi? Il a quoi? Ça suit aussi. As. Oh, paire de 8, paire d'as. Un 9? Il a une paire d'as, frère. Un 9? C'est fini. Je suis 29ème! Je suis 29ème! Je prends 185! Je prends 185 et pas 151. Ah, il m'a suivi, il avait une paire d'as. Putain, les deux gros bad beats qu'on prend, c'est contre deux paires d'as. Bon, dommage. Dommage. Je prends 135 plus 185. Je prends donc 315 plus 20. Donc, attends, 285. Donc, ouais, je prends 320. Je prends 320 euros. Je prends 320 euros. 320 euros, sur l'autre j'ai pris 35, du coup j'ai pris 350 euros en ayant dépensé 200 euros. Du coup, mesdames et messieurs, nous sommes en bénéfice. Ah et là ça... Nous sommes en bénéfice de... j'ai dit quoi, 350 sur 200, 250 euros. Donc j'ai pris 150 euros ce soir, au final. Sur deux, sur donc un tournoi à 50 euros l'entrée, c'est les Bounty Builder. C'est exactement le même format de tournoi que vous jouerez dimanche si vous avez participé au free roll. Il y avait 40 tickets à gagner, 125 balles l'inscription. Il y a 250 000 euros à la gagne. Donc non, honnêtement, on peut être fier de nous quand même. Hein. Là, il n'y a pas à dire. On a bien joué. On a bien joué. C'est forcément coup dur, mais j'ai eu beaucoup de chat aussi. Donc on n'est pas là pour. On n'est pas là non plus pour. Voilà, pour être déçu. Hein. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de chance, ça s'est bien passé. Derrière, malheureusement, je perds contre As-As contre paire de valets. Et je mets un all-in avec paire de 9. Paire de 9 contre paire de 8 que je battais. Et il y a justement la paire d'As en face. Je pense que c'était le bon move. Vu la place, t'es obligé à un moment d'attaquer, quoi. Et on arrive à gratter, justement, donc top 29. Donc, pourquoi ils jouent tous ultra agressifs? Parce que c'est des formats qui vont vite, c'est des turbos. Et moi, c'est des tournois que j'apprécie. Où, généralement, les tournois... Là, il a commencé à 20h.
Tu vois, c'est kiffant à jouer, quoi. Au moins, on se retrouve pas, tu sais, genre à 2h du mat, en mode alors, où est-ce que j'en suis, quoi. Mais du coup, c'est aussi des tournois où je sais pas combien il y a eu de participants, par exemple. Après, c'est bien. Hein. Plus 150 € sur des tournois pour mon niveau, je suis très content, quoi.